Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Crusader Kings 3. On reprend pas forcément là, on s'est arrêté la dernière fois. J'ai repris ma save, j'ai enlevé beaucoup de mods, les 40 et quelques mods. Je les ai enlevés, j'en ai gardé quelques-uns que je compte enlever, je pense, à terme. Simplement pour la reprise de celui-là, pour des raisons de compatibilité, j'en ai mis rapidement quelques-uns que j'ai même pas retraduit. Donc j'avais vraiment rapidement. Pour effectivement que ça fonctionne correctement et que ce soit à peu près stable par rapport à ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau stream sur le jeu Crusader Kings 3. Pas une nouvelle série. On va s'arrêter un petit coup sur la série du jeu. Si je fais une série, ce sera sur un autre jeu. On va découvrir ensemble toutes les nouveautés du dernier DLC Tournament. Tour et Tournament pour être précis. Qui a été ajouté dans ce DLC. Donc toutes les nouveautés, tout ce qui a pu être ajouté, un total rework global. Je vois qu'il y a des trucs qui sont encore liés au mode, mais effectivement un total des nouveaux trucs avec les tournois, etc. On voit déjà des nouvelles activités au-dessus. Donc tout ce qui est le rework des activités et de la gérance du pays. Alors, je vous invite évidemment, comme toujours, je remercie ceux qui ont follow entre les deux streams, entre le dernier et celui-ci. Je vous invite à me suivre sur Twitter. Les actualités avant le lancement d'un stream ou autre sont sur Twitter, donc je vous invite à vous suivre et à follow dessus. Je vous invite à mettre la cloche et à me suivre sur Twitch pour effectivement avoir les annonces de mes lives quand je les lance par rapport à tout ça. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent regarder les rediffusions, elles sont gratuites sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Donc on va y aller ensemble sur ce DLC pour découvrir toutes les nouveautés que ça nous apporte. Donc déjà, on voit la première nouveauté, déjà les activités avec effectivement différentes choses à prévoir. J'ai totalement dégagé tous les modes d'XP ou autres un peu fumés. Alors, on va déjà regarder ici, je sais qu'il y a des changements au niveau des vassaux, c'est que maintenant les vassaux ont une orientation. Chacun va apprécier ou ne pas apprécier certaines choses, donc déjà première chose qui change, c'est que le debuff pour autorité de la couronne absolue est plus ou moins importante par rapport à ça. Il est pas de moins 15, tout à l'heure quand j'ai regardé, il était de largement plus violent que ça. Ouais, moins 50 pour lui. Donc ça dépend des personnes. Donc, courtois. En gros, il y a maintenant différents traits. Enfin, il y a plusieurs positions de vassal. En gros, les positions, c'est leur alignement par rapport au pays. Certains vont vous soutenir quand vous faites des signes, d'autres non. Donc, les courtois veulent des postes à la cour, veulent des titres, veulent participer au festin. Par contre, ils n'aiment pas qu'on donne des titres aux roturiers. Ils n'aiment pas des mariages avec des roturiers. Ils n'aiment pas qu'on déshérite les héritiers en l'état. Donc, c'est ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc les vassaux courtois croient en la noblesse et la tradition, ils souhaitent préserver les hiérarchies existantes. Les vassaux sociaux ou compatissants adoptent tout souvent cette position de vassal. Donc c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est socialement compatissant, je pense que par défaut, effectivement, il va plutôt être là-dedans. Il y a quoi comme trait érudit, connaissance de corps, téméraire, patient, confiant, ouais, ok. Nous avons minorité, les minorités estiment que leurs cultures sont marginalisées, vassaux de régions ou cultures hostiles avec moins de 30% d'acceptation culturelle adoptent souvent cette position. Première acceptation culturelle car ils changent souvent de position ce qui dépasse 30%. Ok, donc c'est-à-dire c'est un truc qui peut évoluer avec le temps. Les vassaux minorités n'aiment pas lorsqu'on convertit ou qu'on change la culture d'un comté et que l'autorité de la couronne est élevée. Donc c'est pour ça que lui j'ai un bonus de moins 50 mais pas lui. J'ai les esprits de clocher, veut la stabilité, la décentralisation, la paix et que pays ne se mêle pas des affaires extérieures. Les vassaux honorables ou réservés adoptent souvent cette position. Ils aiment qu'on construise un mur des propriétés, qu'on fasse d'eux des tuteurs de la proche famille, d'effectuer et gérer les tâches internes. Ok, ils détestent les guerres difficiles, c'est-à-dire la guerre qu'on a fait contre les Abbasides, ils aiment pas. Et ils aiment pas. L'autorité élevée, ok. Ils préfèrent les héritiers honorables et raisonnables avec une attitude élevée d'intendance. Ah, j'ai pas vu ça. Ils préfèrent les héritiers honorables et compatissants, ils préfèrent une autre foi ou une autre culture que celle de leur seigneur liège. Ok. Ça, c'est compatissant. Élevé.
Paris qui en a avec cette martialité, bingo. Chercheurs de gloire se soucient de leur position sociale, de leur prestige, de montrer au monde le pays dont ils disposent. Les vassaux hardis sont sans compassion, adoptent souvent cette position vassale, ok. Loi de succession, partition, oulala, ça va pas aimer, aime la chasse, aime les guerres offensives, dites, bah déjà c'est contradictoire avec l'autre. N'aime pas autorité élevée, n'aime pas les défaites ou la paix blanche, adore les héritiers hardis et braves. Avec beaucoup de martialité, ok. Minorité, on a déjà vu. Courtois, on a vu. Fanatique. Les vassaux fanatiques sont focalisés sur la question de foi. Sur les questions de foi et influencés par les actions pieuses. Les vassaux zélés ou vengeurs adoptent tout souvent cette position vassale, tout comme le clergé. Conçoit un mérite de propriété religieuse, ils aiment réussir et complot pour apprendre la langue. J'ai des traits vertueux, ils aiment bien participer à des activités de pèlerinage. Ok, ils n'aiment pas les traits moraux et qu'on demande dehors au chef de la foi. C'est bien, on va dégoyer. Un peu problème. Préfère les héritiers zélés, vertueux et en attitude en érudition élevée. Ok. S'il n'y a pas un autre symbole. Avec 5 de différent. Ah, peut-être que 5 de différents. Hein. Peut-être que 5 de position. Minorité. Il y en a un qui se base là-dessus, un là-dessus, un là-dessus. Je regarde vite fait si je vois un autre icône. Ok, donc déjà c'est bien, ça rajoute une bonne profondeur déjà dans la gestion du pays. Ah tiens, je peux. Attends, on va accorder une audience. Alors, ah tiens, ça a changé au niveau de la couleur. Écoutez, récurrent. Un event de partage de nourriture. Une rivalité en deux villes. Acceptation culturelle. Voilà. Ça c'est fait. Ça. J'ai pas vu de changement pour vraiment là-dedans. Poste vacant. Alors. Une petite vie. Les affaires intérieures. À comprendre pour un moment. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle chose qui est arrivée, c'est l'activité qui est arrivée dans les héritages. Mariage traditionnel de Franche-Comté. Grand mariage coûte 50% moins cher. Les grands mariages donnent une acceptation 15% plus vite. Obtenir la propriété générer une absence fort temporaire contre le seigneur Lige qui vous apprécie au grand mariage. Ok. Parcours et chemin sacré, gain d'expérience de pèlerin plus 50%, de voyageurs plus 50%. Ok, maintenant c'est des choses. C'est de l'expérience qu'on gagne. Pèlerinage coûte 50 de moins, gagnez 2 dérivations par lieu unique de votre foi visitée. Ok. Honoré en sa présence. Gagne modificateur accordé par sa grâce lorsque vous êtes terminé une tournée de sa majesté, une tournée d'intimidation, instille la peur. Ok. La peau d'une grande tournée initialise le tournée disponible de n'importe quel modificateur ci-dessus. Ok. Alors, probabilité possible d'avoir des rapports d'aperçus d'animaux légendaires, festoyeurs, chasseurs, gain d'expérience. Donc, pareil, gain d'expérience de compétition, décision d'unité des champions, car tu prends les grands tournées, fait venir des personnes avec une presse plus élevée. La première activité grandiose des chefs de maison est gratuite. Ok. Sympa. Et là, effectivement, c'est les 6 nouvelles choses qu'on peut faire. Donc, pèlerinage. Ça permet de partir dans un lieu saint. La chasse. Donc, de ce que j'ai vu maintenant. Donc, ça, ah, c'est bien. Regardez, on voit. Ce courtois, il apprécie ça. Ce. Il apprécie ça. Ok, ok. Donc, grande tournée, c'est quand on fait une tournée. Grand mariage, j'ai pas promis, donc ça on s'en fiche. On va faire un grand tournoi pour commencer. Expérience de très compétiteur.
Donc, si c'est un truc à pied, 30 d'expérience, 1 en prouesse, 65, 1 en prouesse en martialité. Plus 2 chevaliers, plus 2 en taille de régiment, mais c'est énorme. Arc, petit bonus de santé. C'est enlevé. Eh ben, moi, 25% maintenance d'armée, c'est pas mal. Plus de cheval, prestige plus 5. Opium chargeur de gloire plus 20. Prestige plus 10. Prouesse par niveau de gloire plus 1. Renommée plus 5%, pas mal. Sagacité diplomatie plus 1. Expérience en mode de. Opinion de la part de vassal fanatique plus 10. Ah, c'est bien ça. Expérience mensuelle plus 5. Diplomatie, 2 de diplomatie, 3 de diplomatie à la fin, 10% d'expérience mensuelle, 20% de dépassement d'armée, mais c'est énorme. Estoyeur, pareil, c'est un truc qui s'XP maintenant. Opinion des courtois. Priorité de réussite de coup hostile, opinion. Bien. Pèlerinage. Jusqu'à la fin, on débloque, je pense que très. Sécurité voyage plus 5, portée plus 5. Ok. Planifier ça. Alors, il y a deux types de. Ok, il y a deux types de pèlerinage. Pèlerinage pieux, certaines options d'événements permettront des actions particulièrement pieuses. Les entrepôts augmentent encore plus sa piété à l'achèvement. Mondain, d'action touristique, les entrepreneurs donnent un modificateur multiculturel à l'achèvement. Ok. Alors. On va déjà commencer par le Vatican. Ensuite, on va aller. Non, je peux pas changer. Attends. Changer. Ok, donc je choisis mon lieu de pèlerinage. On va aller à Byzance, voilà. Donc je choisis mon parcours, ok. Personne dans ma suite. Option de voyage. Embaucher des capitaines expérimentés, moins 45 de danger en mer. Ok. Engager des mercenaires. Vitesse de voyage, sécurité de voyage, ça c'est bien. D'experts de jungle, danger en jungle, j'ai pas de jungle. Embaucher un montagnard. Ok. Circoncept. On se complète autre. Ok, allez, grand train. Sécurité moins, vitesse beaucoup plus vite. Vous êtes impatient, lâche ou téméraire. Arme supérieure, réduction des abonnements de l'artefact, ce que je voyage. Bien, entraîner des chevaliers. Vous avez école militaire dans une baronnie, vous pouvez sécuriser des voyages. Monture supérieure. De chameau service des coursiers. Ok. On vient demander un montagnard et je vais prendre une garde, voilà. Maître caravanier. Donc c'est un nouveau truc, ça. Maître caravanier. Ça augmente la vitesse et la sécurité. Donc lui m'augmente beaucoup ma vitesse. Effet sur le seigneur, les vitesses de dépassement de l'armée, plus 5%, limite à présent, plus 10%, changement mensuel de magnificence, plus 5. Ok, je prends d'elle, nommé. Ok, ici, intention, réflexion, vous avez vu vos voyages comme un moment contemplatif et cherchez à l'occasion d'évacuer le stress. Ok, altruiste, vous cherchez à améliorer la vie d'autrui sur toutes les occasions du geste altruiste, augmentation de l'opinion populaire et de la piété. Personnage zélé, généreux et prodige. M'a dit de faire de vos positions, chercher des occasions et partager avec d'autres. Altruiste, on va faire. Option d'activité. Approprié. Oh non.
Humble. Affectif, ça s'impare, je donne à votre suite. Vous amenez également avec vous des serviteurs et des personnes pieuses. Plus de piété à l'achèvement. Toutes les personnes intéressées à court vous rejoignent jusqu'à. De toute façon, on a le pognon, mais par contre, ouais, ça a un de ses coûts en plus, faut y réfléchir, quoi. Donc, on va personnaliser. Alors, et voyage d'aller, ben on va prendre là. Ah, et voilà. Ok, appliquer le chemin. Donc je peux personnaliser le voyage. Ok, risque de péril très peu. Je même si je vais en lieu sain et demi, je peux avoir des risques de guerre. Et commencer. Pèlerin aléatoire à votre suite, ok. Oh, sympa, on me voit. Oula, ouais, il y a beaucoup de changements. Faiblesse de comté, ok. Trop de duchés, des artefacts avec une faible. Venez un peu de la cité, vous pouvez créer le titre d'empire arabe, ce qu'on va faire. Hop. Enfants de tuteur, les familles peuvent se marier, trop peu de concubins, vous pouvez créer une distinction. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Un peu, ça on s'en fiche. Vous pouvez stationner un régiment d'hommes d'armes. Oh, c'est quoi cette histoire de régiment d'hommes d'armes? On peut stationner. D'ailleurs, on peut améliorer ça. Je suis en train de voir, j'ai des hommes d'armes que je peux améliorer. Non stationné. Nouveauté ça, le stationnement des hommes d'armes. Une propriété dans votre domaine. Je découvre donc. Je sais pas ce que ça fait de stationner, mais on va y faire stationner, y a pas de soucis. Hein. Ici. Ah. Oh, ok, je viens de comprendre l'utilité. Ça améliore mes troupes. Regardez, forgeron plus 60% de résistance. Plus... Ah, c'est intéressant ça par contre. En plus, il a 100 en bonus. Lui, il a 22. Ok, c'est très intéressant ça comme ajout. L'utilité de faire stationner et donc d'améliorer certains bâtiments, ça permet d'améliorer. Donc les unités qui vont y stationner. On peut partir ici. Ouais, j'aurais une propriété qui améliorerait ça. Ça améliorerait. Ok. Ici, on voit les bonus que ça appliquera à l'unité en fonction de là où je la place. Donc par exemple, Besançon. 64, 35, 2. Ouais, donc ce serait le meilleur endroit où mettre des régiments, ça par exemple. Ça, par exemple, je mets au pif, hein, c'est pour découvrir. Donc on a découvert ceci, donc ça permet de mettre des lieux
d'autres où l'armée reste stockée et où effectivement ils vont avoir des bonus très importants. Des distinctions à or. 5 distinctions. Ok. On s'enfuit. Les membres peuvent se marier. C'est bien, ils auraient plein de petites icônes là à côté. C'est sympa. Trop de duché, vous n'avez pas de médecin de cour. Hop. Votre fils, moyen, hop, vendu. Voilà. C'est sympa. Ah, blessé, mauvais traitement désastreux. Cela ne se reproduira pas. Bon. Ah. Là, on n'a pas regardé. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau poste de maître caravanier. C'est-à-dire qu'il y a d'autres postes qui ont été créés. Bon, bah, antiquaire, on connaît déjà ça. Et maître caravanier. Donc, on a découvert l'utilité. On va mettre mon fils. Professeur, là, c'est quelqu'un qui s'occupe des enfants, donc on va mettre maître chasse. La probabilité de réussite de la chasse et la fréquence du gibier perso augmente avec la compétence. Oh, donc maintenant c'est un important ça dessus. Sénéchal, c'est toujours sur le contrôle. Ok, pas changé. Bouffon de la cour, ça a pas changé ce truc là. Garde du corps, est-ce que ça a changé, garde du corps? Ça joue sur la vitesse, ça joue sur la défense, ok. Toi aussi tu vas être garde du corps sur le coup. Champion personnel. Ok. Royal, qu'est-ce qu'il y a? Goûteur. C'est pour limiter les risques. Bon, bah, toi, t'es un très bon courtisan. Grand écuyer, efficacité des chevaliers améliorée. On va prendre. Hein. Architecte royal. Bon, bah, on va remettre ça. Parce que ça faisait un moment qu'il a dû mourir en architecte. Grand aumônier. Bonjour à ceux qui arrivent sur le chat. Grand aumônier, ça n'a pas changé par rapport à avant. Et chanson. Ça n'a pas changé de ce que je peux à peu près. Je regarde à peu près, hein, voir s'il y a des changements. Poète, j'en ai pas. Artisan, on s'en fiche. Spécial, émissaire de la culture. Qui est pas trop vieux. Lui, il est excellent. Hop. Ah ouais, vous avez quoi? Libéré. Hop. Voilà. J'ai oublié que j'avais fait une énorme guerre. Nous en avons pour des jours de vache par navire aussi, fait de mon mieux pour m'occuper, conversation intéressante, prière, contemplation de veuve ou simplement planification des prochaines étapes. Souvent, ça serait sans mille une activité banale, la pêche. Exactement, Messine, danger plus 50%. Le pèlerinage devient plus mondain. Je tenais plus de piété. Je suis allé, bah attendez, on va faire un peu plus mondain. Partie de pêche. Ok, donc ça c'est un nouvel event quand on est en navire. Après avoir effectivement quand on traverse des lieux, des montagnes ou autres, je pense qu'il doit y avoir d'autres events. Pour le moment, de ce que je vois, c'est beaucoup plus replay. Navire à abandon. La mer est calme et indulgent. Il y a un vent arrière puissant nous fait avancer. Il semble que ce sera une journée tranquille pour les rameurs en bas. C'est vrai que la personne n'est pas dont la proue est brise dans les rues. Il semble qu'il n'y ait pas y avoir de survivants. Il ne serait pas facile de naviguer entre les rochers. Ça, je trouve quelque chose. Ça, je ne trouve rien. Les finatrices. Je perds 7 jours. Ok, je peux retarder mon expédition. Alors, oh! Alors, pèlerinage arrivé. Attendez, on va supprimer ça.
Je suis enfin corps et âme devant le temple de Byzantion. Alors que Flamand m'offre ses bénédictions, je pense tout ce qui a pu se passer. Mon précis par les dieux. Donc maintenant, quand on arrive sur le lieu saint, il y a, de ce que je vois en bas, regardez, il y a quatre étapes. Donc je pense, ça c'est l'étape d'arrivée, et les grands pèlerinages extraordinaires. Ok, c'est des... Ok, je suis sur le chemin du pèlerinage. Vous tenez le trait pèlerin, tous les membres de votre suite gagnent le trait pèlerin. Ou améliorent ce trait. Ok. Donc ça, je suis en train de faire avec les autres. Pendant vous plongez en Byzantion, je ne peux m'empêcher de retourner au marché au cas pour examiner des marchandises. Tag en particulier en mon attention sur un marché si monseigneur a des pièces objectif présenté ici à bon prix. Bien de ce monde comme c'est banal. Comme je suis ailé, effectivement, ça joue là-dessus. Pour tripler cette somme, j'achète plus ou moins. Ok. Donc il y a un timer qui se lance ici. Ok. Obtenez 22 pignons avec. Ok. Vous consacrez au pèlerinage pendant 2 mois. Ok, donc je reste 2 mois en place. C'est pour dégager aux sauvageurs. Alors je fais le tour de l'état, j'ai vu tout le temps que possible les éléments locaux, j'ai essayé de m'entraîner dans des maisons, je remarque un rassemblement plus important autour de la marche en venez acheter une authentique relique pour le prix qui ferait Hadès pendant des décennies, la statue de Déméter. Ok. Score 43. Ah, et en fonction du score que j'ai, ça m'augmente ça. Ok. Ça, c'est ma suite. Donc, c'est les pèlerins qui sont avec moi, ça, je présume. Une partie, en tout cas. Alors, Rotraven, les marchés de Byzantion fourmis de marchands créant leur bonnement dans leur langue. Je n'ai jamais entendu vendre. Puisqu'ils me sont connus, guide de pèlerin, apprenez d'itinéraires plus sûrs et découvrez les merveilles de Byzantion. Alors. Guide de pèlerin, le pèlerinage full qu'obtient expert local, ok. Peut augmenter la diplomatie, c'est intéressant. Des events qui augmentent les caractères. Donc là, je suis passé en grand pèlerin intrigué. Oh. Pèlerin protégé, pèlerin se monte un peu ouvert aux autres cultures. Opinion, gain de stress moins 10%. Opinion des autres cultures plus 10, autrefois plus 5. Opinion des cultures différentes plus 10. Opinion des fois différentes plus 5. Alors, pèlerin intrigué. Plus 20, plus 12, plus 20, plus 12, moins 20%. Troisième level, pèlerin altruiste. Moins 40% de stress, plus 30. Et plus 20 en fonction des fois et la culture, la vache. Et pèlerin cultivé. Mais c'est énorme. Moins 60% de stress, plus 40% d'opinion égard des autres cultures, plus 30% des autres fois. C'est énorme. On a réintégré la province d'Afrique. Hop, on s'en fiche. Ça, je peux retourner ici pour voir le voyage et un truc s'ouvre automatiquement. Notre séjour touche à la fin. Je suis heureux de satisfaire l'aspect de mondain à la région gréco-romaine par exemple moi-même. J'achève mon premier pèlerinage. Intention réussie atteint. Ce fut un honneur. Vous obtenez 987 de prestige, pas de prestige. Pèlerin altruiste, j'ai débloqué. Ok. Et là, je prends des traits de pèlerin. Donc là, je repars.
Là, je suis en train de regarder pour construire un truc, moi, là-bas. Intéressant en tout cas, les nouveaux events tout sont très très plaisants. Ah, il y a un embarcadère ici, nouveau ça. Manoir, mais c'est nouveau ça, manoir. Un nouveau bâtiment? Il y a des nouveaux bâtiments! Manoir. Les seigneurs et dames de manoir emploient des centaines de paysans pour labourer leurs champs. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Une de provision plus 15%. Mais c'est génial ça! Pâtura, ils ont changé l'icône. Ah, attendez, manoir, c'est ce bâtiment là. Ok. Et grand régiment. Cours d'organisation du grand tournoi, moins 50%. Ah, c'est bien ça. Pareil, les casernes diminuent les festins. Avantage défenseur. C'est bien. En plus, ils ont mis plein de petites icônes, c'est génial. Les modifications qu'ils ont fait, vraiment plaisant. Alors il y a une partie qui est gratuite au niveau de la mise à jour, donc je sais pas ce qui est gratuit ou autre, comme j'ai le DLC. Donc voyage, véritable sif regorgeant d'animaux sauvages de toutes sortes, la région de Ferris. Serait d'après moi un endroit formidable pour une partie de chasse. Nous n'avons pas le temps de rester pour une sortie en bonne et due forme. Moi, je repère un passage magnifique, des marques particulières sur le pèlerinage. Pas sûr, que dites-vous d'un pareil amicam, sœur. Celui-ci qui abat le lapin d'une flèche gagne. Vendu. Ah ah, j'ai gagné 300. J'ai obtenu pas de lapin. Mais vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est un DLC très de retour chez soi. J'ai l'impression que c'est un DLC. Comment on dit ça? Qui va se concentrer en fait sur le roleplay du personnage. Là je peux repartir immédiatement. Ok. Ensuite, on va tester un festin. Festin meurtrier. N'a pas à tout rester en cèpe pour toujours. C'est un meurtrier, un festin où j'assassine plein de monde. Ah, ça peut être génial ça. Ah, j'adore. Des animaux donneront des occasions de gagner de l'opinion. Festin. Alors, on va faire un festin. Ben. Oh, bien évidemment. Donc je peux me déplacer pour aller à un endroit faire un festin, de ce que je vois. Donc ici, de toute façon, on va embaucher ça pour raison de sécurité, toujours et même. Et on va, par exemple, un ambassadeur de la culture. Hop. Invité d'honneur. Ok. Ici, alors,
Simple tranche hors, des nobles préfèrent souvent une bonne nourriture simple et copieuse à une bouillie qui se fait sophistiquée. Tout fait ça un cas avec de la nourriture riche et exotique. Attention, on ressemblait ça un passant d'histoire de complexité. Ok, donc ça c'est la qualité de la nourriture. Nombre de plats acceptable. Petit gain d'opinion, très petit gain d'opinion auprès des vassaux. Gain moyen, très grand auprès des... Commencer le festin. Traverse Cassa en courant pour apporter des dernières décorations. Cet invité n'était pas encore arrivé. Je me laisse tenter par un délicieux basson au coin du feu. Ah mince, je vais pas regarder si je pouvais changer ça. Neuf mois de préparation, ok. On fiche. Alors, ah, ce que j'ai acheté. Transformer les marchandises exotiques, puis je les vente. Alors. Utiliser pour augmenter la puissance du complot, ou bien je vends mes trucs à triple leur valeur. C'est bien. Le pèlerinage peut aussi être un bon moyen de gagner de l'argent. Voilà, j'ai invité du monde. C'est au seuil de la mort, oui, à un moment je vais mourir. Et des joutes à proximité de ce que je vois. Je suis mort. Ah, j'ai craché. Bon, petit crash. Petit crash du jeu. Nous revoilà, je relance tout. Alors, on reprend. Après, de toute façon, ouais, si ça crache, si je vois que ça crache trop, la sauvegarde s'est fait il y a longtemps, dommage. Hop. Je réponds rapidement, hein. On a déjà fait le pèlerinage donc on s'en fiche un peu. Vous gagnez 7... Ouh ! D'ailleurs vous avez l'air d'un jeton de scénario, je connais un endroit où on peut faire une expérience tout simplement divine. Ok, gagnez 7 points. Un virage à gauche, une centaine de carrières cachées. Une sorte de petite tour de paroi couverte de centaines de cristaux qui capte lumière du trou. Si forte, waouh. Bon, je crois que on va créer une nouvelle partie. À mon avis, vu que je reprends une partie où c'est un petit peu, où on a un petit peu trop modé, où il y a eu des mises à jour ou autre, à mon avis, je pense qu'il y a des problèmes de compatibilité. J'ai l'impression que c'est à chaque fois quand il meurt le problème. Bon, vacances, ouais. On de Duc de Bonne. Pas grave. Ah, on a perdu notre empire. Oui, consacré à lignée. Alors, unir les esclaves. Oh, l'empire d'esclaves. Oh. Ok, alors. Grande tournée. Alors, on va faire par contre une chose. En voulez pas, il va se passer quelque chose, c'est que je vais ouvrir le panneau de commande.
On veut pas notre commande. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour qu'on puisse un peu tester et qu'on puisse tester sans se prendre la tête. Voilà, tout simplement. Hop. Alors. On est en train de tester ceci. Redonner l'idée du grand festin, ok. On va le faire à Prague, voilà. Mettre caravanier, bon, faible, on voit que ça rajoute. Sur le coup, on s'en fiche, il n'y a pas de voyage, donc ça n'a rien d'assurer à sécurité. On va tester ceci et ceci. Alors, ça que je voulais pas regarder, c'est pour assassiner quelqu'un, séduire quelqu'un ou nouer une amitié. Ok, se détendre. En fait, pas, on teste des choses. On teste des choses. Alors. Et un successeur. Il est quoi? Il est moi-même empereur. Hein. Pour un poste de maréchal, ok. Alors, un jour rassemblement. Dame venue, quatre coins position, venue, bienvenue, bienvenue. Ah, je peux voir la liste des personnes qui sont venues. On voit qu'il y a des voisins, on voit qu'il y a des personnes de chez moi, ok. De plus, je... Ouh, ah, regardez, on voit ici des choses. Ça doit être un tournoi, ça. Allez. La réalité vont et viennent mangeant et bavard tandis que la lumière vacille et torche humide et ça rebondissant, ça fait bien, je me sens bien. Vous obtenez chacun était avec au moins un trait en commun avec vous, obtiennent 20 d'opinion de vous. Voilà. Du coup, t'as typiquement Agathe alors qu'elle donne une chance toute sorte. Je ne remarque pas à quel point je suis sorti du GSF, je ne fais que divaguer. J'apprends une liaison. La grande table de haute noblesse sur extra de mis un grand crack l'instant après et céda sous poids de la nourriture et des ornements dorés. Je me suis cinglé invité moi-même avant de être réinstallé avec la petite noblesse. Je me suis retrouvé près de faire compte. Il a mal pris, cependant il a dit à tout le monde que c'était une grande injustice de s'asseoir avec des seigneurs et des dames à peine meilleurs que les retours au compteur. Vis-à-vis de ses inférieurs, Ota et moi avons fini par parer pour toute la soirée. Voir mon frère et ami Contoda, nous mangeons et buvons ensemble. Amitié revigorante, c'est nouveau ça. Santé, gros bonus. Pour mettre de bonne humeur, je suis par ailleurs soulagé de voir que Boomer ne part pas sans dire au revoir. C'est bon, je vais voir bientôt. Attention, réussi, on voit en bas si on a réussi ou pas. Les dernières invités sont partis, reste peu de bouger à l'ami, j'entends que deux serviteurs soupirer. Bientôt la nouvelle parviendra, je crois, il est plus reculé que tout le monde est rentré chez lui, le ventre plein. Non courtois présent. Tous les obtiens, ok, ok. D'accord, le truc.
commencer un entraînement pour le grand tournoi. Un coup, si vous voulez gagner, bien entraîné, ça fait quoi? Vous avez une meilleure protection, votre presse est augmentée. Ok, je... chaque chevalier, pareil, vous êtes bien entraîné. Ok. Ok, grand tournoi, on va tester qu'est-ce qu'un grand tournoi. Bah, à Prague, hein. De toute façon, on va à Prague. Hein. Alors, j'ai le droit à 5 épreuves, ok. Donc ici, je pense qu'on voit ici mes capacités. Donc j'ai une bonne capacité à pied, à cheval moins bien, arc ça va, joute. Je serais pas trop mauvais, mais j'ai pas débloqué. Récital, j'ai rien. Jeu de plateau, je suis nul. Duel, je suis pas mauvais. Lutte, je suis pas mauvais. Course à cheval, je... voilà, donc on va faire un truc de duel. On vous montrera concernant l'expérience du compétiteur à pied. Ok, donc participer. Ici, on va faire un deuxième truc. On va par exemple prendre la mêlée. Compétiteur à cheval à pied. Voilà. Des épreuves 200. Ok. Ensuite. De toute façon, s'il faut que je me give du pognon, je m'en donne. Hein. Ambassadeur de la culture. Alors. Tente délabré, simple. Certains événements négatifs sont susceptibles de se déclencher. Pondérations événements ne sont pas affectées. Donc ça veut dire que les facteurs. C'est-à-dire que les events, il n'y aura pas d'aléatoire, sera par défaut. Et c'est si certains événements négatifs sont moins susceptibles de se déclencher. C'est-à-dire que j'ai moins de chances que certaines choses se passent mal. Même si ça devrait être des sportifs à part entière. Les artefacts, donc faible qualité, bonne qualité, très grande qualité. Ok. But, te détendre. Alors, nous, une amitié, séduire, assassiner, recruter, triompher. Bon, nous, on va chercher à triompher, confirmer. Ici, champion, on va prendre lui. Hop. On va commencer le grand tournoi. Oula. Le tournoi est sur le point de commencer. Nombreuses sont qui s'affluent sur mes terres en proie à des heures de première valeur ou tout simplement. Ok, ok, ok. Alors, ok. Donc, la taverne. J'ai pas dû y aller. À dernier bondé, comme on peut s'y attendre, cette fois se déroule dans la ville parmi tous les habitants. Cependant, il y a assise une femme qui est clairement habituée de l'établissement. Que faites-vous ici? Elle me regarde. Ouais, à moitié de ça. Chance de qualification 0. Alors, temple. Obtenez contrôle de l'opinion populaire. Alors, vous, le vainqueur, aussi quelques pièces. Alors, ils échangent des coups, ils esquivent tous, quelqu'un d'entre eux fasse un geste audacieux. Je l'appelle la tempête royale, on tient en souris, ça inverse, pas clé au sol. On n'est rien, ok. Et le champion, ok. Bon bah là, c'est McBarry pour gagner. Le combat entre les deux était décidé, le combat était serré, mais a désarmé la forcée et qualifié en demi-finale. La foule se penche alors qu'un concurrent fait ses pratiques à son air tendu et soudain perturbé par une voix stridente, fait éruption sur le terrain. Comment pouvez-vous regarder cette saleté oisitive qui vous fait perdre du temps? Vous devrez passer moins de temps ici, plus de temps à l'arrière sur un fou classique avec le peu quand cette zone n'est pas sans mérite. À moins que quelques voix courageuses que nos cordes s'expriment en retour opinion publique et comme un raz-de-marée qui submerge
Mais bon. Et il tient bon, il récite sa harangue. Devenez passionné de sport, donc les fanatiques m'aiment bien, sur Charles de Gaulle même plus. Assommé, ok. Pas cette fois. Ma championne, ce tour est intéressant, ok. Le problème c'est que moi vu ce que j'ai vu à droite ça pue. Oh. Les corps retentissent à full cri, concurrents commencent à se rassembler à cotation et terminer à mise en avant de quelqu'un en cours après plusieurs sélections. Bien mérité à gagner puisque est un chevalier sans seigneur Lige vous gagnez 75 à gagner puisque seigneur Lige vous avez payé obtenu du liste doué okay. Ah, j'ai mis un peu trop rapide, j'ai même pas eu le temps de me rentraîner. Pour vrai, si on verra victoire je pense que je vais qu'assister au truc. J'ai oublié de participer ou quoi? Les bras sous mes yeux atteints par Augustine par son égalité, je m'agrippe à Balustrade en bois et crie des paroles de soutien avec les autres spectateurs. Mon cri se met de fois en print étrangleur et se sent avec le kit long de ma l'échine. Ok. J'ai été très méchant, je suis cohérique donc j'ai envoyé ici à personne. Le vainqueur est... Échange d'âme... Après plusieurs peurs qu'elle ait fixé surtout une compétition très sassée, l'équipe celle de l'équipe du Duc. Ok, un sport passionnant. Victoire en mêlée. L'équipe a remporté l'épreuve sur la lame, quelle belle occasion, donc l'armure. Ok! Très bel objet, un objet illustre. Voilà, on a clôturé la mêlée, donc j'ai eu... Alors, moi je m'appelle quand Vrasislas, ok. Donc un des chevaliers sans terre, ok. Tous les chevaliers programmés ont gagné une épreuve à gagner 50 de gloire, ok. Donc je vais faire ça une fois tous les 10 ans, ok. Alors, tournée de sa majesté, rapport de prestige, opinion de la part... Vous pouvez tenter, vous forcer, acter faction hostile, imposition, rapport d'or quand vous. Alors. Résumé, ça va durer 4 mois. Donc ici on va prendre, alors vu que j'ai... Alors ici, entourage, toute ma cour, si je veux, toute ma cour ou pas de cour, je présume, suite modeste, ouais bah tous les courtisans, allez hop. Aucun meuble, augmenter les chances de succès de tournée, mobilier luxueux, mobilier excessif, oui. Alors, j'y vais pour se détendre à Luxure. Bon. Altruiste ou justice?
par la justice. Ici, on va embaucher une compagnie de gardes. Voilà. Ah, donc là, on voit les zones dangereuses. On va ajouter... alors, il y a beaucoup de forêts, donc on va ajouter un expert en forêt. Guide forestier, voilà. Et hop, on commence à tourner. Donc une grande tournée, j'ai hâte. C'est de partir une grande tournée, mais de suite et d'impatience. Grande tournée au dîner, je reçois un accueil digne d'un duc au port du château du comté. Accepter aussi ce cornu insensible, ce fait me couper l'appétit. Faudrait mieux qu'il y ait du gâteau aux noix. Le banquet prévu, promis versant. M'assure qu'il ne s'agit que de sa meilleure nourriture. C'est bien. J'assure à côté de moi, j'en ai vraiment assez marre de vivre ici à Zatec et aspire à améliorer ma condition, mais tendance gaspillée ici. Non, je vais pas offenser mon hôte parce que vu les compétences qu'il a, c'est nul. Mon repas est accompagné d'un divertissement comme d'habitude. Les acteurs réalisent de grands spectacles acrobatiques. Tout le monde avec super, je raconte. Il constate qu'il réclame des démonstrations vulgaires. C'est plutôt drôle. Ils sont en train de se moquer de moi. Ok. Il me surveille par une faim atroce, incapable de retrouver le sommeil. Je gère dans l'obscurité de la cuisine. Me permettre de fouiller. Ok. Après, on va réduire la vitesse parce que j'ai vu quelque chose. J'aimerais savoir ce que c'est. Au nez, j'ai eu l'occasion de faire état de ma système cortège riche en objets de valeur. Non. Lui, c'est mon. Réussite de sa tour. Ouh, punaise. 400 de prestige, 1002, 550 de renommée, 1675, 2150, seigneur Lige en visite. Le conseil de sa cour sont bien nés. Je ne fais aucune. Je demande hommage. L'hommage, je demande l'hommage, le compte vous obtenez, ça refuse. Ok. Ah ok, c'est les différentes étapes, dîner, visite, ok, c'est... Alors, nous arrivons dans un petit village de la Spris Sourire, remarquant la situation sur la place du village. Une paysanne est entourée de valeurs furieuses, son regard désespéré s'estompe, ses mines lorsqu'elle voit le procureur pour ses monseigneurs, ça dit que mes actes ont fait une pécheresse. Ils sont guisés en songe, rendrez-vous justice. Une exécution est justifiée. Comme je suis juste, je perds du stress, j'augmente le contrôle. Sinon voilà, j'aurais pu faire goutte. Pas assez bon. Une exécution est justifiée. Désolé. Bon. Ah, visite des terres de... Bon, là ça va, je suis duc. Donc ça va vite en fait. 5 mois, je pars quand même en tournée. Mais vous imaginez en propre byzantin ? C'est pas la même. La musique sonne est jouée à mon arrivée. Comme une coutume du visite, mon fils et moi nous embrassons en prononçant de respecter la fin de tête l'occasion. Activité visant à visiter Ether. Niveau de contrôle plus 10. Ok. La composition de marine ne cesse de m'étonner. Elle
pu m'informer, le pape cause de ces deux suites est visible en reçoit en retour quelques pièces d'or, un sourire, un remerciement. Elle lui apprend, hein. Vous avez vu diplomatie. Mince. Le Renier, je suis pris en conversation avec une avec mon fils de comte à propos de la réception de la diplomatie. Étrange pas répondre, je vais écouter. Tutorat noble. J'ai acheté la question, je suis arrivé à la conclusion que Marie rejoindra avec joie votre somptueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, le comte a autorisé. Donc j'aurais pu laisser le comte décider en fait, à la base. Bon, on va juste faire un truc quand même derrière, hein, parce que le but c'est quand même d'améliorer un petit peu. C'est sympa. Les ajouts qu'ils ont fait, pour le moment, j'aime bien. Par contre, pour le moment, pour le prix, je trouve ça quand même horriblement cher. Un chevaucher s'arrête brusquement lorsque mon précieux cheval trébuche sur un rocher, bien qu'il se redresse rapidement. Je ne sais pas. J'entends les membres de mon cortège gagner de moi. Faites tuer, obtenez une autre. Obtenez 12 euros d'habilité. Obtenez 5 de stress. Contre les erreurs, ouais, ça ne sert à rien de faire une affaire d'état. Hein. Petite mine, hop. Il faut s'enrichir, hein. Mon fils décide de me conduire à sa caserne. Alors, j'aurais bien besoin de textes d'animation d'infanterie légère. C'est efficace. Je vais prendre le 6, je demande au mage. Voilà. Donc 65, donc ça augmente bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a même pas regardé depuis qu'on a lancé cette partie. Les vassaux qu'on a, ils ont des stats tellement dégueulasses. Mais voilà, même toi, tu as mérité d'être maréchal en fait. Je pense. Hein. Mon maître espion est bon. Niveau des titres, vous êtes deuxième dans l'initiation de votre Saint-Empire. Des enfants ont besoin de tuteurs. Ben, moi-même, je vais prendre. Moi-même. Grêché au duché de Moravie. Hop. Et créer le royaume de Bohème. Alors, qui découvre le nouveau roi? Hop. Ça fait un peu nordique, ça fait un peu vide, mais bon. De toute façon, mon... On est retourné au truc par défaut. Donc, mode désuète, décent, élégant, haute couture. Ça augmente le prestige, la magnificence. Nourriture, ça augmente le stress. Le festin réduit plus le stress, résistance, etc. Maladie. Le nombre de serviteurs, les puissances de complot. Et résistance et logement. Ça améliore, je crois. Ouais, les invités restent plus longtemps. Cours guerrière ou administratif? On va prendre administratif. Hein.
tout ça, je dois arriver ici, Tchécoslovaque. Bonne langue, mais après... Hop. Voilà. On peut écrire... Ah, les distinctions, donc. Créer une distinction. Donc, si je prends lui... J'ai quoi comme distinction? Alors, capitaine des piquiers. On va regarder à la fin. Taille maximale des régiments de piquiers, plus 6. Maintenance des piquiers, moins 20%. Dégâts des piquiers, résistance des piquiers. Alors, ah, attendez, il y a deux trucs. Il y a un modificateur global qui modifie l'intégralité de mes bonus, c'est-à-dire que ça modifie tous mes régiments de piquiers, plus ça m'augmente leur taille, ça me diminue leur coût. Par contre, il y a un régiment d'armée, c'est-à-dire que dans l'armée ou avec le chevalier, j'aurai dégâts des piquets plus 50, résistance. Alors, bien évidemment, en fonction de la gloire qu'il a. Hein. Ok. Donc ça, c'est capitaine des piquets. Après, il y a quoi d'autre? Il y a avant-garde. 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 C'est taille des régiments d'infanterie haute plus 6. Maintenance, moins 20%. Dégâts de l'infanterie haute plus 60%, résistance moins, plus 30%. Donc ça, avant-garde, c'est l'infanterie lourde. Ensuite, loyal. Sécurité de l'âge plus 15, résistance de l'armée plus 15%. Alors c'est de toute l'armée. Hmm. Si vous avez une énorme armée avec beaucoup de régiments différents, ça peut être intéressant. Par contre, ça peut être intéressant de spécialiser, ça veut dire aussi. Et maraudeur, qu'est-ce que c'est que le trait maraudeur? Avantage en attaque contre un territoire non contrôlé, plus 5. Alors, redoutabilité. Ok. Ici, il y a trois trucs. Avant-garde, loyal. Alors, c'est le deuxième truc. Et tirailleur. Alors, attendez. Ici, si je mets avant-garde. Non. Ici, loyal. Ici, est-ce que je peux mettre tirailleur? Oui. Donc, je peux avoir deux traits. Et tirailleur, escarmoucheur. J'ai plus d'escarmoucheur. Il coûte moins cher. Vitesse de déplacement des comtés affectés par l'hiver, plus 20%. Alors, pour les hommes du Nord, tirailleur est pas mal. Dégâts d'escarmoucheurs plus 60%, résistance d'escarmoucheurs plus 30%, écran des escarmoucheurs plus... Ah. Et la question que je me pose, si là, par exemple, je me prends... Là, en étant tchèque, j'ai un... De mort à culture tchèque, si je ne me trompe pas. J'ai un... Voilà. Je peux avoir un... Non ? Je croyais que j'avais une unité d'armure spécifique, vous voyez, en tant que tchèque. Et si je recrute par exemple des archers, est-ce que j'ai une distinction ou je peux mettre des est-ce que je peux avoir une distinction avec des archers? Non. Donc ce que je vais faire, je vais prendre avant-gardiste et très secondaire. Putain, mais c'est horriblement fort, sincèrement. Horriblement fort. Et là, je vais mettre... Alors. C'est quoi? Je vais en faire un... Alors non, toi, tu vas être avant-gardiste et le deuxième trait. Voilà. Question, est-ce que le deuxième trait, il est moins impactant que le premier? Non, il y a autant de bonus. Voilà. Le deuxième, j'ai créé une distinction. Donc ça va être lui, par exemple. Alors là, ça sera d'autres trucs. Manipulateur. Vainqueur des païens. Alors, ok, ça c'est le nom du titre. Manipulateur, intrigue, redoutabilité, efficacité des chevaliers par redoutabilité, puissance des complots. Et fanatique. Opinion de vassal, fanatique, plus 25. Compéter les garçons de fort en réduit, rejoindre les garçons de fonder beaucoup de piété. Ah, regardez.
C'est pas les mêmes titres. Lui, par exemple, chevalier de fleurs, maître de chasse. Gain d'expérience de veneur plus 35%. Charmeur. Ça, c'est le truc pour viser à brave. Donc, charmeur, c'est pour draguer. Brave, plus 30% de dégâts de l'armée où il est. Ah, c'est génial, je crois que... Brave, ça va être sûr. Mettre des réjouissances. Fesseur enthousiaste, plus 35%. Ça peut être... Vous voyez, ça peut être bien aussi, ça. Et cavalier. Et je prime que cavalier, c'est là que ça va m'améliorer mes régiments de cavalerie. Cavalerie légère, plus 6%. Maintenance, moins 20%. Vitesse de l'armée, plus 15%. Et ici idéaliste, donc ici c'est le dernier trait idéaliste qui peut choisir. Opinion de ok. Opinion de la part du vassal courtois plus 10, minorité plus 10, propriétaire foncier plus 10. Négocier une paix blanche fournit du prestige. Alors rang de gloire 6. Oh ben, sincèrement, il va être cavalier et il va être brave. Hein. Je vais recruter. Hein. De toute façon, je manque de chevalier. Donc, ok, via des innovations, des héritages dynastiques et des niveaux plus élevés. Et il faut que je prévoie un successeur. Ok. Pour garder ça, il me faut qu'il y ait au moins la force ou soit athlétique, un peu de groupe physique puissant. Ok. Par exemple, ça, je vais quand même garder. On va quand même garder tout ça. On va enlever les archers, on va mettre à la place. Mais en fait, ça veut dire que là, on va beaucoup plus se focus sur les... En fait, les régiments vont encore devenir encore plus importants qu'avant. C'est ce qu'il faut se dire maintenant. Les régiments vont devenir primordiales. Je ne sais même pas. T'es nul, toi, donc je m'en fiche de toi. Est bien connu. Ok, et il faut que j'ai un successeur avec le trait expert en terrain ouvert pour pouvoir avoir ce successeur là. Ok. Enlever le bonus, par exemple, je trouve qu'un truc est plus bon. Ok, donc c'est à dire qu'il faut un successeur pour maintenir le truc. Waouh, la complexité. Enfin, la complexité. Dans le bon sens. Ah, je suis arrivé dans une nouvelle ville. Je reçois un accueil digne d'un roi aux portes du comté. Machin, alors par contre, ouais. Ils ont fait de magnifiques artworks. Par contre, la visibilité. Aïe. Ça fait plaisir de voir mon frère. C'est mon frère, lui ? Oh ! Commençons. Ah oui ! Alors, déjà, non seulement je vais faire ça. Autorité, on va augmenter petit à petit. Là, on est en train de... Ah, ok. Mais là, on voit maintenant. Ah, regardez, il y a propriétaire mineur. C'est quoi, cela ? Propriétaire mineur souhaite la liberté de faible impôt. Niveau baron, adoptons cette position. Ok.
Et là, on voit Courtois, moins 15, moins 40 pour les chercheurs de voix, minorité, moins 50 pour les autres, 30. Ah, c'est bien ça, on voit directement l'impact sur chacun. Ici, c'est... Ah, oh, non, j'entends... Hey, alors... Alors, c'est quoi cette histoire? Alors... Donc c'est un régent. En cas de régence, pas de partage de pouvoir. Donc équipe des pouvoirs. Les diarques peuvent essayer de détourner dehors leur seigneurie. Les régences peuvent prendre fin à tout moment tant que la seigneurie en est capable. Les diarques peuvent emprisonner des pères vassaux. Les diarques peuvent essayer de forger instantanément des revendications des titres des pères vassaux. Les diarques peuvent enraciner leur régence pour être plus difficile à envoyer accès à plus de pouvoir emprunté. Les diarques obtiennent une modification supplémentaire gratuite de leur contrat vassé qui peuvent encore est altéré la manière que l'utilisation de l'hameçon sur seigneur. Partage du pouvoir avec seigneur Lige. Alors votre région est chargée d'augmenter les revenus de son seigneur Lige, quel que soit le prix hors supplémentaire, développement gratuit. Contrat feudal ajusté en faveur du seigneur Glyph. Modificateur bénéfique pour les hommes d'armes, modificateur bénéfique pour élever, courtisan, chevalier, compétent. Pouvoir d'autorité. Les personnages et les comtés quittent les factions. Autorité de la couronne accrue augmente l'opinion. Ok, tu vas me promouvoir ça. Donc il y a une histoire de régence aussi, ça veut dire. Un pur délice, ce repas était vraiment exclu. Ouf. Oh. Peu importe quand que je mange, peu importe quel point j'en apprécie, ce pain ne me sort pas de la tête. Soit j'arrête, je gagne un peu de piété, soit je continue. Orgie de dessert, santé, petit bonus, ou mal d'estomac, pénalité de santé. Eh, on est là pour bouffer. Ouf, peur du stress et j'ai un orgie de dessert. Le corps cher et puis on va essayer de s'en servir pour une partie intime du corps. Est-ce que Comté pense que c'est une façon de pousser à la débauche? Majestueuse. Et je pense qu'en l'avantage, plus c'est long, plus à mon avis on doit débloquer des bonus. Donc je ne sois pas le seul. Invité d'honneur à la cour. Voir aussi possible des terres nobles rois, si moi t'es un peu plus juste, on reconnaîtrait. Rejoins votre grande tournée. Vous imaginez que l'Empire romain? Alors là, j'ai fait un truc où je peux voir tout le monde, mais je peux en voir que moins apparemment de ce que j'ai vu. Donc. Là, je fais le tour de tout le monde avec l'Empire romain, de tous mes vassaux. Donc, juste qu'ils me rendent hommage. Donc, l'avantage, ça permet aussi d'avoir les hommages, donc ça permet de booster plus vite ceci. Un nouveau repas étranger, je déplace un peu avec mon cœur, regarde la sauce inconnue, répondre tel. Qu'est-ce que je donnerais maintenant pour la nourriture de ma capitale avec un simple pas comme des entremets conviendraient. Non, je vais pas demander. Attendez, par contre, il y a un truc que j'aimerais juste se voir. On a un tri qui doit avoir un truc là-dedans. Voilà, donc c'est-à-dire que pour créer les festins mortels ou autres, il faut ce trait-là.
Musique solennelle est jouée à mon arrivée. Mon frère et moi nous embrassons en prenant sans respecter les formes. Obtenez prestige, niveau de contrôle, plus 10. Entre conclusion. Score 95, hein. Tentez-vous d'essayer quelque chose, Zaromir, je profite d'un instant de super petit causé pour voir Akubatier. Et plus fort et plus gros que j'ai jamais vu depuis longtemps. Aïe, je suis gentil. Curieux de voir comment vivent les miséreux d'Opave, me rendre dans l'établissement, les habitants sont agités. Un homme se tient debout sur une table, afin d'avoir attention à ça. À quoi bon avoir un con, de toute façon, j'ai jamais reçu terreux et puis des testaments que je n'ai jamais connu. Et pourtant, il existe notre indéfectible loyauté. Tout le monde applaudit à tout rompre. Chef de paysan humilié, nickel, voilà. En même temps, ça permet aussi dans, par exemple, aux endroits où quand il y a des problèmes de. Attends, par contre, former des commandants, ouais, mais des endroits où on a des problèmes de contrôle de comté, ça permet effectivement de l'améliorer le contrôle aussi, les visites. Donc ça rajoute aussi des mécanismes qui permettent d'améliorer les villes, etc. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant. Partout où je vois des indices, des impôts éludés sur des commodités, troupeaux d'as semblent plus importants qu'annoncés, d'apportant du compte serait assez somptueux. Voilà, attendez, il a tenté de magouiller. Il a voulu tricher avec les impôts. Bon, faut peut-être que j'arrête de dépenser, moi. Sinon, je dois remettre la liste de commandes pour remettre du gold. Il m'a baronné au pas, entendez-vous inconnu tout autour de nous. Les assassins avancent et appuient fermement ce couteau contre moi. Sorti pour chasser, monseigneur, nous chassons aussi le roi. Bien que ce soit d'abord surprise, il n'a fait aucune comédie, l'assassin me fait un clin d'œil et je constate que son œil est entièrement en bois et moussé de tous les côtés. Il s'attend. J'ai vu aux tentatives. Un trois d'ours là chez moi. Allez, c'est drôle. Je demande hommage. Je tourne devient plus majestueuse. Je suis au level 4. C'est-à-dire quand je vais rentrer, je vais gagner Seigneur Lige en visite, contribuant en impôt du vassal. Alors, la vérité nue, nous approchons d'un mou d'un homme désespéré et enchaîné à une potence. Le roi, c'est le roi, s'écrit-on, sœur qu'un paysan en larmes accourt vers moi en fondant maladroitement en l'air. Puis mon épouse innocente, c'est faux, il n'y a même pas de témoin. On se part d'elle, vous amenez à l'écart. Non, ma tous. S'incline, veuillez nous pardonner, Seigneur, n'écoutez pas, accusé est bel et bien coupable. Vouloir compétent, ça sert à rien que je prenne effectivement les graciers. Ça va me retarder 5 jours mon voyage par contre, défi d'intrigue. Soit j'ai aucun détail pendant 10 ans, j'ai plus d'intense d'érudition et opinion plus 10. Soit j'ai une intrigue, voilà. Vous obtenez, bon rien ne vient à l'esprit, voilà. On a regardé, on a étudié. Moi ça a levé tout doute. Je suis rentré, donc, niveau de contrôle dans le pays de Presliva, plus 10, niveau de contrôle de comté dans le pays de Royomir, plus 10, niveau de contrôle dans le comté, plus 20, Seigneur Lige magnifique, contribution en vassal, plus 20%, nombre de vassaux, plus 5, augmentation de développement dans la capitale, plus 0,30, je gagne 300 de renommée, tout le monde m'apprécie un petit peu plus, clore cette tournée. Eh ben, ça s'est bien passé. Alors, par contre, j'ai regardé un truc gloire là.
Opinion de la part de Vassal, chercheur de gore, plus 5. Plus 10. Ça aurait eu des bonus si ce réseau ou pas? Non. Un coup de la chasse du festin, moins 30%, ok. Bon, nous on va rester sur le truc là pour le test. Voilà, là c'est... qu'est-ce que je vais demander? Ah! Ok, maintenant ça fait carrément un voyage. Mon invité n'arrive pas à parler de toutes les choses qui sont arrivées en plus de l'arrache sans faire, je suis mal à l'aise, c'est en l'air de façon si informelle. Tout à fait, à d'autres personnes, à ce que j'arrive à répondre, je suis au roi. Et bien, il commence à bégayer. Mais plus sincère, mon seigneur, je vous promets que je ne suis pas à propos de fortune d'avoir un domestique et prendre tous mes besoins. J'entends une voix qui parle. On va faire ça. Alors, on va faire venir les gens. Recensement, ça va aider. De ma cour. J'ai plus d'argent. Non, je peux pas rendre hommage. Alors. Voilà. Donc le royaume de Bohème est créé, donc on a un bon petit royaume. Les finances sont catastrophiques. L'artefact s'améliore. Recensement terminé, plus 5% dans l'impôt des parts des vassaux. Laissez entrer. Oui, j'accepte ce cadeau. Ah, je suis invité. Ouh! J'ai une invitation. Comté de Bologne. Non, je décline l'invitation. Je suis désolé, mais à un moment, c'est comme un perpète les doigts. Hein. Modifier. Faut que ça va me rapporter, ça sert à rien. Ah, mon vassal ou bourgmestre connu pour sa vénérer rapporte que les bêtes ont été apparues dans mes terres. La probabilité de réussite de chasse est augmentée dans ce comté. Alors. Sincèrement, un très très bon chevalier là, qui m'a présenté.
D'accord. Par contre, ouais, ça c'est beau ça. Je sais pas qu'on avait un. Un lien entre les deux dynasties, entre les dynasties capétiens. Ok, des problèmes de traduction. Hein. Perdre. Toutes les personnes ayant un score de succès supérieur au vôtre perdra de l'opinion. Ok. Devient régent. Je m'en fiche. Alors que je pousse les draps pour m'allonger, je trouve un nouveau rouleau posé par terre. Oh là non. Oh, il y a un truc beau là. Paragon, seigneur, vous me flattez, madame. Oh. Harald. Impitoyable à gagner la guerre. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Même c'est quoi? J'ai pas beaucoup d'argent donc je sais pas. L'université a été construite. Tuez un loup. Alors vous obtenez peau de loup. Je veux un animal de compagnie. Ah, un collier. Vous obtenez un collier de bijoux. Ok. Un loup, apportez-moi sa peau. Peau de loup. Un chiot. Chien de compagnie, prouesse plus 1. On va appeler Flair. Au pelage blanc, c'est une décision. De faire changer les idées, hein. C'est-à-dire, c'est timide. Et là, on voit les améliorations, on voit effectivement. C'est bien d'avoir rajouté ces symboles, c'est beaucoup plus lisible au moins. En tout cas, moi j'apprécie hein, ces changements qu'ils ont fait au niveau visibilité. Génial. T'as quand même amélioré un petit peu l'économie. Un baiser pour son dévouement, voilà. Où suis-je? Je sais pas, je regarde dans l'obscurité, mes yeux s'ajustent, c'était il y a quelqu'un près de la fenêtre de ma chambre, précipite. Et comment ça se fait que j'ai planté le couteau à quelqu'un? Je porte un petit sac en vérifiant dans l'entour, personne n'aura. Elle l'ouvre, il y a plein de nourriture et boissons. Il fait si beau ce matin, venez avec moi pour pique-niquer. Vous avez de délicieux pique-nique. Faire entrer. Très bien. Aïe 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 aïe. Deviens ivrogne. Prouesse et intendance moins bien. Irritable.
pas le mieux, mais bon, bah. Bah, du 8 de stress. Si vous insultez un bassin au hasard. Ah, j'adore. J'adore ce bordel. La femme m'arrête en plein couloir. Un roi ne pêche pas. Plein d'opinions. Vous passez un sale moment, moins 10. Alors, superviseur. Alors. On va tenter de faire une partie de chasse quand même. C'est ici. Une chasse. Alors, panique de chasse. Alors, légendaire, chasse. Un péril plus élevé donne plus de prestige, augmente l'expérience de veneur de chasseur. Alors. Veneur, prouesse, érudition, fauconnier, intendance, érudition. Risque ici, on n'a pas. Ici. Ok, ici. Voilà. Confirme ça, battre. Donc un tout petit peu de gold, voilà. Commencer la chasse. Alors, j'ai pas de maître chasse par contre. Alors, on y va. Les duchés de Kent, hérésie. Parcours de terre, enquête tout en restant un campement. Probabilité de réussite plus 30. Érudition, martialité plus 3. Invité chasseur plus 33. Gibier type renard plus 20. Alors. Allons-y. On va bien voir comment ça se passe. Désigner de maître chasseur. Bah ouais, je vais désigner. Désigner autre. Il est très malade, nickel. Par contre, je suis en train de me dire qu'au niveau... Alors, je sais même pas où sont les distinctions. En cliquant peut-être ici, voilà. Lui, il n'y a même pas de rempli, il n'y a même pas de successeur, quoi. Voilà. Les deux ont des successeurs. Donc maintenant, si l'un des deux meurt, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui reprend derrière. Ouh, probabilité. Une énorme probabilité de réussite. On fait le tour à la région pour après notre chasse au renard qui erre dans les environs. Mes nombreux gardiens ont étudié la zone à recherche de traces visuelles ou olfactives. On m'a dit qu'il n'avait aucun signe de troupeau, de chevreuil ou de bison possible. Bien que. Le terrain convient à une chasse au renard. Péril faible, prestige banal. Péril 2 sur 5, donc c'est pas le truc le plus dangereux.
Manifestement, autant soudain elle s'arrête quelques secondes plus tard, on peut s'entendre quelque chose se déplacer dans les bois et d'aboiement deviennent des grognements lorsque Cerf fait éruption. Je vais l'abattre personnellement. Ici, ça obtient des trophées de chasse. Augmente fortement. Augmente légèrement, probabilité de réussite. Voilà. Je vais abattre personnellement. Prouesse améliorée. Gracieuse, le chien parfait, difficile, le bête ne me quitte pas des yeux. On fout un tentacule, renard, c'est la méthode la plus dangereuse, Trakonga. Là, je m'arrête de me atterrir en août, une flèche se plante dans la terre à mes pieds sans façon. Donc, garde. Augmente l'expérience, vous achevez votre intention d'abattre, vous perdez 52. Après des heures de chaud aux chiens, nous avons coincé la bête, l'animal épuisé et effrayé, le temps pour sa venir et aboie panique. Le renard TG se rend compte qu'il ne peut pas s'échapper alors que les chiens l'encerclent. Alors, je vais l'abattre. Attention d'abattre une bête, vous perdez 52 de prestige. Grâce à votre prouesse, un défi d'une chance sur 4 de perdre. J'augmente considérablement mon expérience. Je vais l'achever moi-même. Pour m'épuiser, je choisis un bon moment pour planter dans son cœur. Nickel, j'ai pas été blessé. Les 6 sont un vrai plaisir, j'ai hâte de revenir, même si la proie était petite, le groupe. Éprouve la sensation de bonne chasse, se redirige à des coupes et déplace son ardent en carcasse afin de laisser les maîtres chasseurs prendre leur relais. Gibier aperçu. Ok. Donc, non seulement, voilà, donc veneur, j'ai gagné 15 points d'XP. Donc, j'ai perdu 32 de stress, j'ai gagné 225. J'ai décancé le trait chasseur, donc qui va s'améliorer. Ce qui va s'améliorer petit à petit. Et voilà. Bien, bien. Ah, je peux rentrer. Voilà. Bah, c'est bien ça. Bien, c'est bien. Alors, cours royal, je peux afficher un truc. Voilà. La taille du renard. Ah, j'ai un peu trop de baronnie. Ça me porte un énorme bonus ou pas? Garde lubrique. Manoir. J'ai dépassé de 1. Est-ce que je pourrais... Alors. Voilà, j'ai triché, j'ai augmenté de l'autre côté. D'ailleurs, petite question, un vassal me rapporte combien d'or? Auteur au coup d'état, non. Voilà, actuellement, ils me rapportent tous 5, ok. J'ai toujours pas compris avec l'histoire des...
Alors, oui, contre lui, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai aucune contribution envers envers l'empereur. C'est-à-dire qu'actuellement, alors je suis un de ses vassaux, je ne lui dois rien. C'est impressionnant ça. J'aimerais bien rire, mais bon, c'est compliqué. D'ailleurs, vu que je suis régent, je peux pas faire des choses en tant que régent? C'est ça la question. Je me suis débrouillé pour devenir régent. Ah. Qu'est-ce que je peux faire? Sens global moyen. De pensées auxquelles je n'ai pas réfléchi. Mais un gros problème. C'est au niveau de mon personnage. Alors attendez, je cherche où est-ce que c'est. C'est la fascination. Les lois, est-ce qu'il y a le... Oui, à prérogative royale. Ok, non, c'est bon. Demandez si je pouvais augmenter plus loin mon autorité de couronne. Que maintenant que j'ai le royaume de Bohême, il faut peut-être l'agrandir, le royaume de Bohême. Mais comment pouvons-nous l'agrandir? Où est-ce que nous pouvons nous agrandir? Sur Autriche? Peut-être. 5. Mais hey, le royaume de Bohème est quand même beau. Hein. C'est quand même d'énormes... Ou le royaume de Nitra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, Nitra, c'est un sacré duché. Hein. Reprendre le duché de Nitra. Ça serait génial. D'Autriche de Nitra. Ah, allez au Kaiser. Non, il veut pas me donner de revendication. Le méchant pape. Au flair, j'ai dit au pied. Merci de m'avoir ramené. Ah non, il me ramène de la pièce dehors. Ouais. Négociateur charismatique. Oh. On s'en fiche, j'ai perdu. Le but c'est de marier, d'agrandir. Atout en plus, chef robuste, plus 4 de prouesse, donc je sais pas. Je vous dis au prochain tournoi. Là, il y a des tournois actuellement ou pas? Il y a des activités actuellement dans... Ah, je ne peux pas en héberger pendant 3 heures. Ah, je peux repartir en chasse, oui, pendant 2 ans. Hop, on va faire la fauconnerie. Il me faudrait 400. Bon, vous savez quoi? Je vais remettre les trucs de commande. Hop. Là, le but, c'est de tester.
Voilà. Les commandes, c'est bon. D'ailleurs, je suis en train de me dire, vous entendez peut-être le bruit quand j'active mon truc pour activer les commandes. Ah ouais, vous entendez. Hop. Non, je corrige ça, je vous en ai pris le... Restons là, mais ça va être ça à faire, avoir de chasse parcours, les bois et les gibiers. Oui. Ah, toutes les personnes invitées. Nickel. Câble sur le camp des forêts près de Briso. Mais Rabatin ne devrait pas avoir trop de mal à trouver. Faucon, un héron. Un canard devrait suffire. Un lièvre. Alors. Un héron. Vous cherchez à chasser un héron. Ok. Ouais, on va améliorer l'économie en fait. Magnifique épervier posa sur son bonnet sans me plus agiter, me donne des petits coups de patte de bête et sans doute impatient de prendre son envol. Il a besoin de se dégourdir les ailes. Envole-toi mon beau. La tête de réussite augmente. Ouais, ce fauveur soumis, ses petits doutes, son courtier, je sais, monte son doigt, mon courtisan sans être atteint de l'injure. Obtenez médiation, diplomatie plus 20. Ouais. Très bon guerrier, hop. Améliorer ça. Ici on va améliorer ça. Tout ce qui rapporte de l'argent, je suis en train de chercher. Le but c'est d'avoir le plus d'argent possible parce que le problème c'est que tous ces trucs là qu'on teste, ça coûte beaucoup d'or. Je pensais pas que ça me coûtait aussi cher, sincèrement. Par rapport à l'ancien coût, le coût a été fortement augmenté. J'ai une chance sur deux que ça marche. Non, hein, le groupe de hérons aux plumes gris, vol petit. En mesure que les ronds s'enfuient, affolés les paysans en quête de nature, je sens ma patience s'amoindrir. Aider les paysans. Opinion populaire, quoi. Chien de promenade. Bonus de santé. L'épervier. Mon épervier se passe parfaitement pour chasser groupe. Les proies se disent. Père s'en criant alarmé, mais il est trop tard. Ils font comme la foudre, n'entendons que le claquement de l'impact, tandis que la proie tombe du ciel. Plume de héron, prestige, moins. Hop, vous obtenez. Vous avez gagné 3 points d'expérience en fauconnerie. Ok. Non, mais sincèrement, j'aime bien. Par contre, Rome, c'est mag maintenant à Capitale Romaine. Il n'y a pas de forêt autour. Hein. Grâce à deux, je peux rentrer. Voilà. Je peux modifier son contrat vassalique, mais pour le moment, comme j'avais déjà dit. Je m'en fiche. Ça. Votre fils. Ça coûte cher. C'est même pas ça coûte cher à l'université. C'est quoi toi? Hop. Ça sera fait, j'en ai marre. Alors ici, j'ai vu que. Comment ça se fait? Les enfants ont besoin de tuteurs. Brouille, hein. À un moment, c'est pas mon problème. Hein. Ah, vous pouvez déclarer des guerres. Contre roi de Hongrie, contre roi de Pologne. Roi de Hongrie, pourquoi?
Ah. Ça se fait qu'il y a une revendication sur le royaume de Hongrie, lui. Là, par contre, le truc diplomatique qui pourrait se passer. Alors, le problème de déclarer cette guerre, c'est que si jamais je gagne, ça c'est coupé. Je perds cette partie-là de mon royaume. Par contre, là, je pourrais mettre la. Parce que lui, c'est mon fils direct, si je me trompe pas. Exact. Je peux mettre la primogéniture, gars, d'office. D'office, il est roi de Hongrie. Moi, je suis roi de Bohême. À ma mort, il récupère le royaume de Bohême. Il est roi de Hongrie et de Bohême. Alors, des revendications sur le comté de Lubus. Et on va quand même déclarer une petite guerre. C'est vrai que on n'a même pas regardé s'il y avait des nouveaux events à la guerre. Alors, je pense pas qu'il y ait des nouveaux events. Hein. Pour la guerre. En fort désavantage. Ah non, faveur de. Voilà, faveur de l'ennemi. Regardez, mais j'ai des par rapport au sien. Il est téméraire aussi. Par contre, ouais. Belle victoire. Belle victoire. Surnom le digne. C'est vrai que je suis plutôt digne. Hein. Je déclare pas beaucoup de guerre. Appelez le roi Philippe, vous pouvez demander des revendications. Oh, sur le duché de Gênes. Mais quelle utilité de récupérer le duché de Gênes, sincèrement. Ah, lui, il est en train de créer le royaume de Savoie. Bah toi j'ai trouvé voilà un mariage pour ma dynastie à moi donc alliance formée entre nous deux voilà. À mon avis, je suis en train de réfléchir par rapport aux tournois, mais les tournois, enfin, quand vous êtes un compte, je pense qu'on peut enchaîner les tournois, mais. Ouais, c'est ça la différence. J'ai beaucoup plus d'hommes d'armes que l'autre. La Pologne. Donc c'est vrai que ça me donne un sacré avantage sur la Pologne. Que c'est pas l'économie qu'on avait dans l'autre partie. Hein. Ah, par contre. Se regrouper en position défensive. Ah, par contre, on va prendre tarif. Dans cette guerre, on va peut-être appeler. Ah, toi, tu peux pas venir m'aider?
Ah, je peux pas repli. Y a pas un bouton pour demander le repli des troupes? Ah, il est mort. Il est mort. Par contre, je viens de voir un truc intéressant. Quand on perd un chevalier, il perd un petit peu de... Alors, bien éviter, essayer de bien en mettre d'autres, mais par contre, la gloire diminue un petit peu. Perdu. Bon, l'Empire byzantin arrive, donc je pense à eux seuls, ils vont gagner la guerre. Hein. La réunion du conseil. Un chien à peu près dans la réunion du conseil. Si on améliore ici, un peu plus de fond. En train de réprimer les chiens qui ressemblent étrangement à frère et papier chien et tissu tout autour. Comme une autre trim, mes appartements. Désolé chérie. On ne pourrait pas arriver à temps. Ah ouais, elle me prévient un peu tard hein. L'armée en deux pour ravitailler. Non, je vais pas. Mais l'armée byzantine, elle est où? Les 7000, 8000 hommes qu'ils avaient. À attraper l'arrière-garde polonaise. Après, mon allié vient avec moi. Voilà, on a réussi à attraper l'autre partie de l'armée. Là, moi, avec les alliances, ça a failli se dégénérer. Hein. Alors, organiser une grande tournée ou un grand tournoi. Votre chevalier s'améliore, les pâturages ont été construits. D'ailleurs ici, il y a des trucs qui améliorent. Université de Prague. Bon, ça c'est le bâtiment unique. Qui vient du mode plus de bâtiments. Les palais secondaires. Récompense augmentée par les activités de grand manérage organisées dans cette propriété. Coût de réduit d'organisation du grand tournoi, moins 50%. Pour rejoindre 50%, déverrouille l'option arme supérieure. Grand tournoi, joute et course de chevaux, ok. Duel, moins 5, ok. Duel, moins 50%, tir à arc, moins 50%. Joute et course à cheval, moins 50%. L'armurerie, c'est toutes les épreuves, coûte moins 25%. Les armes de sèche stationnées ici, plus 40%. Ah, ils ont quand même ajouté pas mal de choses. Hein. Permet l'option entraîner des chevaliers. L'option entraîner les chevaliers. Amener vos chevaliers les moins aguerris afin qu'ils exercent et apprennent les défis que vous rencontrez sur les routes. Ça, c'est bien. Punaise. Eh, mais ces options qu'ils ont ajoutées, c'est bien. Et au moins, on part en voyage. On s'en permet d'entraîner en même temps les hommes. Génial. Impôt des propriétés collines et montagnes, plus 15%. Les armes de siège, armurerie. Alors l'armurerie des grands tournois est quand même pas mal.
Après, je crois que ce que je peux construire, c'est une réserve. Probabilité de réussite de la chasse pour les activités de chasse organisées dans cette propriété, plus de pourcentage. Je vais construire à réserve. On a le pognon, donc on peut. J'ai les lignes de commande pour, donc... Triomphe de César. En étudiant les techniques d'anciens généraux, j'ai été amusé de découvrir les exploits d'ailleurs lors de ses conquêtes. Alors, est-ce que je deviens défenseur inflexible ou est-ce que je deviens téméraire? Défenseur inflexible. À tout disponible, ne jamais abandonner, avantage plus 5 avec les amis. Le fait que j'ai récupéré de la provision juste avant, par contre, j'ai pas eu assez d'hommes, on a perdu. On gagnera pas. Paix blanche. Mais qu'est-ce que fait l'Empire byzantin quand même, là? Ah, ils sont en pleine guerre civile. Non mais sincèrement, mais l'Empire byzantin... Je vous ai appelé pour m'aider, je vous ai pas appelé pour me... Ouais, hop. Vous savez quoi, j'ai appelé la France, que la France au moins on peut compter sur eux. L'Empire byzantin actuellement, elle sert à rien. Oh puis ça arrive, ça arrive, ça arrive. Quels sont les escarmoucheurs, des archers stationnés ici? Oui, voilà, 10 000 hommes. Et à Prague, hop. À Prague, c'est ici. Hop. Ici, on va lever. Tout lever ici. On va relever ce qu'on peut lever. Le roi de Croatie me retrouve des deux chiens. Eh bien, je suppose que nous serons bientôt liés. Ok, c'est-à-dire que nos chiens ont copulé ensemble. Heureusement que le roi de France vient m'aider. Hein. J'ai quand même les deux plus j'ai quand même deux énormes alliés. L'un qui est en pleine guerre civile qui s'en sort pas. Juste chercher de l'eau, j'arrive.
Meurs, voilà. Avec de l'eau, c'est mieux. L'entrechoquement incessant du métal, le frottement de l'armure, à Story Kidogreen, c'est une danse familière. Soulève ma hache. Esquive, défend. Ma hache. Attaque, esquive, défend et recommence. Les EH. Eh ben. Je pense que les vassaux sont en train de détester ce que j'ai une guerre qui dure depuis un de ces moments. Roi donc. Voilà. Je peux nommer un successeur, très important. Voilà. Donc sur la durée, gagne de la gloire. Donc ça veut dire sur la durée, en fait, on va en avoir des puissants. Hop. Des niveaux plus élevés. Chercher. Hop. Bah, le prestige, ouais, il faut lutter. Vu ce qu'on a dans le prestige, on peut facilement l'utiliser, quoi. Alors. Alors, une alliance qui pourrait être intéressante. Même membre de la famille. Attendez. Gain de prestige, pertinence, puissance des alliances. Elle est vieille. Pardon du terme. Elle est bien. Par contre, ouais, il y a une chose que je me suis jamais posé la question. Signoria. Ok, le membre de le plus âgé hérite de tout. Le respect du clocher. Chercheur de Gorn Empire, Ultramuf Primogenit. Comme toujours, accorder une audience, voilà. Un nouveau garde du corps, on dit oui. Ouh la vache! D'une fête me permettra, non seulement j'ai 200 pour organiser une fête future, et en plus ça me coûtera moins cher. Pas me coûtera moins cher, me donnera la magnificence. Sincèrement, à un moment. On a un petit problème d'un qui sait pas gérer du tout son truc. Bien. C'est quand même une guerre qui dure depuis combien d'années ? 5 ans.
Une guerre de 5 ans. Pour un comté. Pour juste un comté quand même. Bon, c'est le comté de madame. J'avoue, c'est quand même important. Mais bon. Là où le début de la guerre s'était bien passé, là on est tombé dans une situation. La Provence qui va petit à petit créer le royaume quand même de Bourgogne, hein, quand on constate un petit peu. Hein. La France qui a récupéré un morceau ici, me demandez pas comment, Philippe. Garde de maison, plus 4 chevaliers. Voilà. Oh, je vais quelque. Il manque des mots afin de voir comment on va, comment elle va. Elle me rend compte avec ça à son château sans au doigt jouer dehors quelque part. Armée française, j'en ai besoin avec moi. C'est qui mon héritier? C'est toi? Voilà. On se pose pas de questions. Voilà. On n'est pas censé être à fausse couche, ça veut dire. Poméranie, venez ici. La Prusse. Forcément un mauvais parti. En fait, ce qui m'interpelle, c'est que je reçois pas beaucoup d'invitations de fêtes à proximité ou autre. Merci à France de pas venir m'aider. Bien, mais bon, je vais. Ah, parce qu'ils étaient déjà en combat, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient en combat dessus, j'ai vu une unité fuir là-bas. Descendance pour ma dynastie, parfait. Ans, un âge respectable à l'époque. Je
problème c'est que les batailles je suis déjà au max, donc ça sert plus à rien. J'ai même pas d'ailleurs pourquoi il continue hein. Ici, alors parcours du chemin pèlerin amélioré, on améliore ça. L'objectif. Voilà, punaise. Tout ça pour une guerre qui a duré je sais pas combien d'années. Grand tournoi. Voilà. Il y a un premier comme milice. Bon, on va faire la première épreuve, ça. Deuxième épreuve, on va prendre tir à l'arc. Ici, champion. Pavillon, truc magnifique, but triomphé, notre caravanier, lui. Allez. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des problèmes pour y aller? Opinion du propriétaire. Ah, vous voyez les opinions de propriétaire. Contrôle du cas, opinion du propriétaire, ça joue. Hein. Et plus 29 de risque avec l'opinion. Hop, on va tester. On va refaire un grand tournoi. Peut-être que le tournoi débute. Entretenez, procurez-vous nouveaux vêtements et améliorez votre armement. Ouverture au seuil approche. Donc on a déjà testé taverne, on a vu que ça aidait pas trop à ça. Alors, terrain ici. Ça joue avec la martialité. Ça n'a pas marché. Donc, la mêlée commence. Alors, ici, quartier d'artisan. Superstitieux. Votre chance augmente. On dit que les forgerons peuvent lancer des contre-sorts. Lancer une technique experte. Ah. Et j'ai tour. Ah, vous êtes actuellement sûr d'être qualifié, ok. Ah, j'avais même pas été qualifié le dernier coup. Transmettre un appointement en illustre en récompense, ok. Je suis bien là, ici. Je suis pas trop mal non plus. Dans ces deux domaines. Une chance sur deux, ça n'a pas marché encore une fois. Alors, est-ce que je vais être qualifié? Oui! Progression vers. Ah, bah, on lance l'event. On combat. Une démarcation claire était tracée entre les deux équipes qui se font face et d'autres se raillent en préparant leur équipement, en chutant leur plan. Pendant ce temps, les chevaux sont préparés tandis que les piafs, mon champion et moi, allons leur montrer. La gloire sera nôtre. Alors,
juré de gagner, je suis sûr que Vassa fera de même. Seulement, on avait une idée. C'est pas ça, je réussis. C'est pas façon de gagner. Ça, donc, je pouvais saboter. Et comme j'ai mis des bonnes tentes, alors. Le bruit s'est interrompu par un terrible grincement. Une tribune débordant aux spectateurs cède avec fracas envers une masse dégringolée. Des conséquences de punir et bâtisseurs et tribune, c'est l'œuvre de Dieu. Ah, finesse. Alors. Épuisé, j'en ai pas mal assuré dans un refuge pour celle de son confort austère. Tout autour de moi, les combattants des deux côtés se reposent, armure abîmée, des épées émoussées. J'avise quelques-uns de mes compagnons en train de se restaurer, je salue d'un ton fatigué en m'assoyant parmi eux, perdu de douleur. Le guignon sans espoir, dès que fait mine de voir un discours, même si le cœur n'est pas vraiment présent. Lorsque votre équipe augmente, vous gagnez 5 points d'expérience sagacité. Augmente, ok. Alors, de l'autre côté de la mêlée, je repère un de mes compagnons d'armure Zoé qui combat seul contre deux adversaires. Ça est vrai, déchiré boué, mais je distingue clairement les couleurs de notre noble maison. Pimis, je sais pas comment ça se prononce, Premis Lead, je pique des deux et ma monture a tout fait de manu jusqu'au lieu d'affrontement. Votre surprise ne fait guère mon feu face à nos deux lames. Sur gratuit, mille merci, sans vous, il m'aurait eu. Porteur à main, excusez-moi de son cœur, osez être vigilant. Ah, je crois que c'est la devise de la famille, ça. Alors, unité de la maison. Bien ça! Ou obtient le trait loyal. Oh. Ok, loyal c'est un trait de caractère. Ok, oser être vigilant plutôt, je vais prendre opinion, ça me... Ouais, j'ai gagné en plus de l'expérience de compétiteur, ça c'est bien. Oh, j'ai plus de chance. Les ombres s'allongent alors que la bataille se prend. L'intensité des combats diminue au fur et à mesure que les concurrents s'éloignent en poids de temps. Alors que les importants fatigués reforment les rangs, il est clair que l'affaire touche à sa fin. Parce que nous, jamais de marquer les propres. Nous, régler ça à cheval. Yes, ça a augmenté un petit peu. Alors. Oh, je sais pas du tout pourquoi il y a ça. Ce rêve apporte ses fruits avant tout en faveur de mon équipe. Plusieurs cavaliers se dégagent alors que nous débordons le front adverse et fonce vers le camp ennemi. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils nous atteignent avant qu'il nous arrive sur la même chose. Il est impossible de dire ce qui va encore apporter la victoire. Un chevalier proclamé a gagné 52 gloires. Donc c'est bien ça, améliore mes chevaliers proclamés aussi ça. Les troupes authentiques, ça fougue, les concurrents commencent à se rassembler quand ils sont terminés. Sous l'annonce d'un vainqueur ne saurait tarder, un héros s'avance. Après plusieurs épreuves et quelques difficultés, surtout une compétition très serrée, pour nous avons nos gagnants. L'équipe du roi Vratislas bat celle du duc Hermann à cette épreuve. Bien joué tout le monde, le roi est imbattable. Victoire en mêlée obtenue. 3 de martialité, 10... Oh là là, plus 10% de gain d'expérience compétiteur, plus 10% mensuel mode martial. Les membres de l'équipe gagnent. Ils sont également participants à la mêlée, ils gagnent aussi. Il est 110 d'ailleurs. Alors hop, on va s'entraîner. Vous gagnez la fauconnerie, quitte ou double. Augmente modérément. Voilà, ça c'est bien. Je vais juste faire un petit truc rapidement. D'accord, alors, chose intéressante aussi, on vient de découvrir. Les épreuves s'enchaînent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les deux simultanément. On en fait une. Elle dure un mois, de ce que j'ai à peu près pu voir niveau temps. Puis une autre se lance au bout de ce un mois. Ça c'est intéressant à savoir. C'est ce que j'ai pu voir. Je voulais voir un truc. Est-ce que j'ai des events qui peuvent me permettre de... Okay, tant pis.
On a bien gagné ici. Les jeux devraient normalement être qualifiés. Mais c'est vraiment prenant les tournois, sincèrement. Petite fou, ça rassemble autour de la comtesse Mathilda. Ah, la comtesse. Ah non, c'est pas celle que je... Non, j'ai confondu duc et comtesse. Encore personne n'est une chose, mais votre famille et votre soeur, vous n'êtes rien, ça me rappelle quand ma fille Elena est née. Près d'une demi-heure, c'est écoulé. Cette histoire, vous aidez. Soit vous gagnez un point. Non, votre score augmente légèrement. Mieux ça. Ah, bon bah, je suis favori apparemment à cette épreuve. Alors, ici. J'ai pensé, mais j'ai pas. Alors, il est temps pour moi de montrer. Alors, la foule bigarrée des participants fourmis sur le terrain, comparant de rares qui sont en train de meurtrir et craquement des arts. Vous voyez ça, mon champion et moi allons leur montrer. Votre champion. Parier par ailleurs sur le vainqueur de l'épreuve de tir. Alors, il est temps de montrer mon talent au monde entier. Oh punaise. Aline sort une flèche de tonneau au moment même où je rache ma prune silhouette sur lui derrière. La flèche vogue droit vers Ray, Spectre, Arlette et après. Un valet tarde par le confirmé paysan est bien mort. Pas de point pour cette flèche. Ah merde! Ah mais le coup de pas de bol! Pas ce moment cassé, bah oui, c'est moi qui ai atterri au milieu d'un groupe de concurrents! Il y a deux plus présents sur Géza. J'étais favori! Hein. Une fou se presse tour 2. Il a mangé sur deux sur sa blessure. Oh punaise, attendez, je cherchais un médecin. Oh punaise. Prochain tournoi, il n'y aura pas de tir à l'arc. Hein. Ouais, bah c'est beau. Dégueulasse. Quoi? Attendez, j'ai planté un gars qui passait. J'ai tiré une flèche au milieu d'une foule et j'ai gagné. Le vote anti sa foule à plusieurs sélections qualifiées surtout une compétition très sérieuse. Nous avons trois gagnants. À troisième place, courageux Rizzo. À deuxième, Prince Geza. Ce qui est bien sûr, nous avons le vainqueur, Roi Fred. C'est grave, j'ai que 18% de chance de gagner. Oh, que je pouvais gagner, mon champion n'a pas réussi à être parmi les trois. J'ai pris ma valeur. Visée infaillible, j'obtiens. Dégâts des archers plus 3 prouesses. J'ai gagné. Le vainqueur. Oh, magnifique. Prestige, ouais. Le soleil se couche sera dernier jour de tour. Jour du tournoi et la foule quand ça dispersé me retrouvera ruminé les résultats. Mon équipe remporte l'épreuve de mêlée et j'ai le meilleur visé tour et tir à l'arc. J'ai rempli mon objectif en remportant toute épreuve. Quelle belle occasion. Vous devenez propriétaire du bug. 26 expériences en arc. 14 en cheval, 15 en chaque vassal. Comme ça, je devrais dire quelques mots. Vu que je suis en diplomatie, ça va être le carnage. Quelle belle occasion. Cyclo tournoi, j'ai quitté sans que vous voir, je suis désolé. C'était beau, on a gagné. Le typhus. Sans faire rentrer mon carré, me signale que nous voyons depuis et nous avons parcouru 3 baronnies. Mon héritier a péri. Alors. Une excellente nouvelle, nous allons mourir. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais au moins. Le sol de la mort.
Par contre, ouais, POC du vainqueur. C'est quand même de belles récompenses. Hein. Éthique. Par contre, j'avoue, là, les tirs de flèche, ah, le carnage que c'était. Et maintenant, on a la durée qui manque. On est héritier dans ce cas, vu que tout le monde décède petit à petit. C'est toi ? Toi, tu viens pas mourir, toi aussi. Bon, là, je suis mort, hein. Là, c'est... T'as changé de religion. Merde, j'avais oublié ce truc-là. Merci frère, tu m'as enlevé du stress. Ah, c'est rendu. Ça, c'est fait. Ah, c'est ici que c'est pas de culture, check. Attendez. Oh. Eh, sincèrement, j'aurais pas ce problème de succession. Déposer. La France a récupéré. La France a vassalisé le Piémont. Hein. Attendez. J'ai raté ce truc là. Indépendance de la Toscane. Indépendance donc d'ici on avait sûrement de la Lombardie, du Piémont, la Lombardie aussi. Mais en fait l'Italie elle s'est barrée en fait. Mitsu m'a installé.
En fait, par rapport au DLC, je suis déçu quand même. Je vais totalement être franc. C'est bien, ça rajoute beaucoup de RPO, ça rajoute de la profondeur au gameplay, ça rajoute de la profondeur au jeu, ça rajoute vraiment une grosse profondeur, donc c'est très agréable. Par contre, ouais, je suis déçu, enfin, sincèrement, je m'attendais à beaucoup plus, quoi. Bien, la chasse, de ce que j'ai pu voir de la chasse, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus agréable, donc ouais, c'est sincèrement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mieux, mais il y a une bonne partie des trucs, je suis quasiment sûr que c'est gratuit. Attendez, juste une chose. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut pas oublier. Je pense qu'il y a le côté où on garde, de toute façon, il y a le côté où voilà, enfin les choses comme ça ou autres, enfin quand on va en croix. Quand on va en Terre Sainte faire un pèlerinage ou autre, enfin, ça a une incidence sur le gameplay. Donc voilà, avec la régence ou autre, je pense qu'au niveau de la régence, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui pourraient être menées en mode derrière ou autre. Quand t'es longtemps absent, je pense qu'il y a des possibilités, à mon avis, de faire des complots, etc. Bah, attendez, il y a moyen de tester, hein. À mon avis, en tant que régent, tu peux faire vraiment. Il y a le côté régent qu'on n'a pas encore pu tester. Médiation a déjà eu Gaven, donc. Ah, deux fois même event, il y a des désaccords entre langues groupes, c'est génial. Allez, on va être généreux. Probabilité de réussite 46%, ça m'augmente. Tant pis. J'ai voulu jouer, j'ai perdu. Et comment je peux. Là-dessus, je dois bien savoir. Comment je peux savoir. Comment je peux mettre. Arriver dans un. Ah bah. Alors, vous savez quoi? On va faire un dernier truc, c'est la régence que j'aimerais tester. Allez, hop, on rouvre le panneau de commande. Hop. Debug. On va jouer. 19494. Maintenant que je sais. Alors, chez toi, c'est qui ta régence? Alors, toc, problème. Alors, courroyeur, activité, décision. Action. Ici, courtisan, prisonnier. Comment je peux savoir le régent du royaume? Et quoi? Hop. Ah. Donc Viono Basileus. Régent. Impératrice Martena. Ok. Ça m'arrange pas que ce soit elle, donc je vais tuer aussi l'impératrice qui
46 578. Hop, voilà. Ok. Donc on va appeler 2867. Hop. Donc, je suis régent. Alors, je suis régent. Alors. Quand je le dis, c'est un hameçon. Équipe. Ah voilà, et ça, ça va être les trucs intéressants. Là. Donc, niveau d'équipe, Brun et Diark peuvent essayer de détourner dehors de leur seigneur Lige. Jean Zmetabi peuvent recevoir un cadeau pour essayer de les révoquer. Et Diark peuvent proposer d'augmenter l'autorité de la couronne et l'autorité tribale. Et de donner des modificateur de compte négatif à leur père va se recevoir de l'or en cas de réussite. La régence bien établie a besoin du consentement du régent pour être révoqué. Okay. Dark va donner une modification supplémentaire gratuite de leur contrat vassalique. Et hop. Et pouvoir emprunter. Ok. Ah, mais ça va être intéressant ce bordel là. Les Diarcs peuvent tenter de révoquer les titres des autres vassaux. Les Diarcs peuvent essayer de forger instantanément des revendications sur les titres des pères vassaux. De toute façon, 0,25 le mois prochain. On va jusqu'à 50, ok. Des vassaux en dessous de leur niveau. Essayer de rendre. De renvoyer, les seigneuries ne peuvent pas essayer de renvoyer leurs régents. Dépend aussi de votre importance pour assurer vos actions ordinaires. De 50 prestige au moins. Oh! C'est-à-dire qu'au level 6, je peux faire. Je peux exiger la couronne. Arrête pas de me donner de l'or à un moment, on va. Fermé ici, hop, ici, hop. Alors, on a même pas regardé, mais ici, à mon avis. Alors, on va dégager ça, 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 ça. On va regarder. Alors, les chevaliers, distinction, qu'est-ce qu'il a lui ? Idéaliste. Voyou. On va faire des cataphractes. On s'en fiche de l'argent qu'on met, hein. Sincèrement, s'il faut. Le but c'est juste d'être tranquille pour le test qu'on fait. Hein. Empire byzantin a des tailles de levée de régiment plus importants par défaut. Donc, on... Vous êtes dans une section d'un titre, vous pouvez voler. Voilà. Vous pouvez négocier un avec votre neveu. Ok. Ça en est bon, on a mis le lieu de stationnement, vous pouvez voler de l'or à votre seigneur Lige. Vous avez 200, alors attendez.
Ok, c'est un abus de pouvoir. Ok, alors un truc intéressant. Évitons les abus de pouvoir. Ça peut apparemment énerver un petit peu les alliés. Et vous voyez, les vassaux. De ce que je viens de comprendre, apparemment, les abus de pouvoir, ça peut énerver un peu tout le monde. Non puissant de l'histoire. Oh tiens. Les deux gars, ils sont bien. Lui qui a récupéré le duché de Trace, il est bien. Nous, en même temps, on organise ça. Hop. Patience. Hop. Meurs à Perry. Pourquoi je me cache? Je défigurie. Ok. Chasseur. Moi jusqu'à la fin, ok. Bienvenue mes amis, la partie commence. Je me dis que mes idées de guerre sont erronées, que ça crée un problème. Discussion sur la stratégie. Ah c'est bien, vitesse dépassement plus 5. Nous on admire que je suis un profond intellect, nickel. Ah bah la table a pété, je suis devenu ami avec quelqu'un. Hop. Et voilà, c'est bien terminé, Festoyeur. Hop. Zéro dissension en raison de la présence de vassaux puissants. Banquet, grand banquet, Camer développement. Monda, voyez-vous cette chose? Nous sommes posés au désir d'un canon, mais nous ne sommes pas les esclaves. J'ai passé la plus grande partie de mon après-midi à essayer d'améliorer le succès entre mon seigneur et ses conseillers sans succès. Père, chacun s'est présent, père envers vous. Ah voilà, tout le monde va presser un peu plus. On va planifier un grand tournoi. Ah bah tiens, eux par exemple, on va mettre duel, on va mettre lutte, et on va mettre... Tu veux mettre d'autres choses? Joute. Récital, ça va être compliqué à mon avis. Jeu de plateau, je passe... Ça vous dit qu'on retue quelqu'un? Ferme ça. Hop. Attends, vu que c'est chez moi, il n'y a pas de trajet. Pas de temps à perdre. Hop. Ah, observe vos adversaires, découvrez leur faiblesse. Cette option est disponible en raison de votre intention de triompher. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Votre chevalier vous augmente monétairement, votre score augmente modérément, porteur du sceau de tout. Ah! Toi! J'augmente. Ça peut être intéressant ça, j'augmente un petit peu mon expérience globale, soit. Hop, on va faire ça. Notre but c'est gagner. Le but c'est de tout gagner. Gagner un peu de fauconnerie. Notre score augmente légèrement. Sont arrivés à Héraclès, voilà. Donc en plus je gagne de l'expérience.
Alors, vous êtes qualifié à votre épreuve de duel. Afin d'application du duel, tous afin les participants au quart final sont désormais connus. L'intensité des acclamations de la foule ferait face au co-compétiteur et compte Photios. Ok. Paris d'Ors, je suis prêt. J'aurais dû gagner une épreuve de ce tournoi et je ne peux envisager une approche moins équitable pour remporter le prix de la compétition. Je ne peux pas accepter que gagne. Ah, punaise, ça me. J'ai laissé l'entrechoque de ma lame excès de mon adversaire Photios dans le coin du tournon. Attaque, mais la pointe de son épée heurte le sol d'un bruit sourd. Après avoir frôlé mon corps, l'arme se libère de sa prise, s'envole en tourbillon dans les airs et atterrit à notre grand zéro au milieu de la foule. Allez, encore un mort! Un cri sonore fend l'air et nous précipitons tous les deux. Nous trouvons Denisos à genoux, l'épée volant ayant atteint son bras. Alors, nos lames, je vais ma faisais, mais il me reste plus qu'à tenir encore quelques coups. Venons nous battre. Défi de prouesse, c'est une bonne prouesse. Là. Victoire! Voilà, duel gagné. Duel assez, je pressens la victoire. Il a de la revendiquer avant de ne récupérer. J'ai eu le fort de sa lame avec le dernier coup d'une série rapide, rachant sa prise en voyant son arme en l'air dans les airs et planté. En terre, et juge annonce sa fin, et j'ai gagné. Encore 4. Allez, je peux le faire. Vous affrontez contre Inua. Ok. Non, mais hey, les épées ont volé à deux reprises, quand même, dans cette histoire. Plus que 3 compétiteurs, j'ai gagné mon tour. Victoire, vous avez assommé. Alors. Attends, combat. Je peux le faire. Non, je vais pas tricher. Coup, la chance me sourit, fait un faux pas et glisse, je lui donne immédiatement un coup d'épaule en pleine poitrine, c'est au sol. Mais tu en sens un manuel d'entraînement que j'ai étudié pendant des hommes, je me souviens notamment d'une chose fantaisique que l'un d'eux suggérait en telle circonstance. Presque inconscient, je commence à dévisser le pommeau de mon arme. Bois ton sang, mieux vaut frapper l'adversaire tant qu'il est à terre. Je suis un salaud. Les roturiers et nobles se pressent pour s'assurer d'avoir une bonne place. Ouais, soudain. Ils étaient soi-disant. Mais ça vaut que c'est écrasé. Nos gammes s'entrechoquent, donc on va faire ce truc-là. Et on a gagné! Bon, je l'ai peut-être un peu pulvérisé au sol, ça c'est un autre problème. Ressens la victoire que j'ai hâte, je lis la force de sa lame avec le dernier coup d'une série rapide. Les juges annoncent que, finalement que j'ai gagné. Déjà, une belle victoire. Ouais! Personne ne peut égaler mes compétences. Voilà. Déjà. Votre score augmente légèrement. Hop.
pas encore allé au village. Vous êtes un naturel sinistre. Opinion de vassal du clocher. Vous êtes un naturel joyeux. Ok. Venez tout voir, s'écrit un homme qui revient en sonnant en équipe précaire sur une bougie sur son nez. Je connais aussi des histoires parce que vous aimeriez entendre quelque chose de joyeux, comme quand l'évêque machin ont noué une amitié. Pas d'histoire, je veux juste vous voir jongler. Ah, c'est bien ça, pas d'enlever. Alors, quand vous faites qu'assister, en fait, ça peut être bien de faire des trucs comme ça. Ça vous permet d'enlever du stress, sincèrement. Spectacle éblouissant. Hop. Ça augmente modérément. Ça, c'est bien. Mes chances augmentent un petit peu. Ouh, pourcentage de victoire 80%. Un test comme science de la foule ne laisse aucun doute quant aux favoris. Un nouvel avant un peu hiver et putain sa région est arrivée afin de se faire un nom. Ah, il bégait. Deux auteurs. Je suis prêt. Premier jeu, je baisse ce côté pour éviter une prise imminente de Loan. T'es des masses. Je frappe son crâne avec mes deux pointes et des masses venant de gauche à droite. Lourd de douleur et du goût de sang s'échappe de son oreille. Ce combat a une chance de terminer rapidement. Mes tentatives de prise sauvage vont dans ma direction. Laisse penser, je vais prendre sa revanche. Terminons rapidement. Victoire est assurée, mais une fin rapide serait quand même clément. J'essaie de le faire abandonner. Terminons rapidement, comme ça on arrête là. Hop. À mon avis, comme d'hab, comme j'ai beaucoup de prouesses, voilà, 74, simple et efficace. Voilà tout, je suis en train de gagner, il me suffit de tenir bon. Voilà. Et par contre, le design des events tout sont magnifiques, les artworks. Plus tard, je parviens à prendre Johan à contre-pied sans perdre un instant. Je le ceinture et projette de toutes mes forces vers le bord. Et il s'étale hors d'hélice. Je lance la fin, j'ai gagné. Je peux le faire. Une bataille de sa présence, je remarque un sourire s'esquisser sur son visage, sur ma salle. Son pouce fermement foncé dans mon orbite. Il me faut un puissant coup pour gagner de moi, je recule. Ah, le salaud. Arbitre! La foule en veut encore. Je tire vers mon adversaire pour affronter à nouveau. J'ai su une traînée de sang sur mon front. J'ai fait ce combat. Mami, je suis en train de gagner. Je me suis de tenir bon. Simple et efficace, ouais. Il a voulu tricher, l'autre. Tricheur. Voilà. Alors, maintenant, je peux le faire. Il ses muscles. Super play, j'ai déjà pas mal de chances de gagner. Voilà. L'autre qui est en train de se monter devant le public, ça va. Le problème, c'est quoi ? Il a le trait de caractère, je crois qu'il est brave, ouais. Il veut pas attaquer dans le dos, mon personnage. Je ne peux pas prendre de contre-pied sans perdre un instant. Je ceinture pour toutes mes forces. Victoire. Et il me reste en... plusieurs sélections qualifiées, surtout une compétition très serrée. Je remporte contre Valerio dans la finale. Lutteur accompli. Gros bonus de santé. Ouh, ça c'est un beau truc, ça par contre. 70, ça on s'en fiche. Ici on va s'entraîner. Just Porsus qui blessera Kengen Vario. Idealis renonce, vous avez obtenu la maintenue la paix. Venez, n'embarrassez pas notre hôte. Dehors. Voilà. On va quand même pas les laisser foutre le bordel chez moi. Puisse Saint-Georges m'aider. Ah, vous avez vu? Ça a augmenté là. C'est un très magnifique armoirie.
renommée qui augmente, identification erronée. Alors, c'est là où on va peut-être rire, parce que le dernier coup qu'on a fait du tir à l'arc, on a abattu deux. Il y a eu deux personnes qui ont souffert. Une qui est morte, l'autre qui a été blessée. Alors. J'aurais pu parier d'argent. Air faute éclat crevant. Alors que j'encoche le vent, Egg me fait monter les larmes aux yeux. J'ai... Tant que ça calme, j'attends encore un petit peu. Vous touchez à cible 100%, vous 12%, 12 d'expérience de trait d'arc. Notre flèche se pente contre la cible. Amena va prendre son arc. Il faut que je trouve quelque chose à faire, sinon je vais perdre la raison. Cette marque est facilement effaçable. Si vous avez ça. Natri compte. Non, pas possible. Je dois refaire avec. Parce que finalement, je perds un peu de stress, mais j'en gagne plus du fait que je suis appliqué. Donc. Par contre, j'ai qu'une chance sur 4 de gagner. Et c'est perdu. Je le sens pas. J'ai gagné ? Après plusieurs sélections et quelques tirs, contre Phobios, 3ème, 2ème chef Kejen, 1er moi-même. J'ai gagné. Je m'y attendais pas à celle-là. Le soleil se couche. Alors d'ailleurs j'ai gagné une broche. Nombre de chevaliers de plus 2, c'est bien. J'ai eu la meilleure visée de tous les tireurs de l'arc. J'ai été un adversaire indomptable et pris la première place. Ah, j'ai débloqué aussi un bibelot. Vous savez, je dois avoir gagné un truc par ma spécialité de ma lame. A remporté le prix de duel. Quelle belle occasion je chope. Arc composite. Prouesse plus 10. Garnison renforcée. Je gagne 54 d'expérience à pied. Je gagne un petit peu, je gagne beaucoup de prestige. Par contre, ça veut dire qu'on personnage là, j'ai... Là je suis bien, hein. Un petit bonus de santé. Là, niveau bonus de santé, j'ai une bonne santé. Et 32 de prouesse. Ah, mais c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ah, toi, t'en regardes contre qui, toi? Une rébellion à gérer. D'ailleurs, on a. C'est vrai qu'on était tellement concentrés dans nos combats. On était tellement concentrés dans nos luttes. Mais, par contre, le tournoi, j'avoue, c'est bien. Mais pour le prix, si c'est à que tournoi qui me plaît beaucoup, ça va pas. J'aurais l'impression de m'être fait avoir. Hein. Hop. Ah bah tiens, c'est plus bugué ça. D'ailleurs depuis la mise à jour. Je voulais voir au niveau de mon désintéressé. Le pouvoir évolue tranquillement vers moi. Et qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau là? On se fait une petite chasse. Hop. Trois gibiers aperçus de cerf. 1, 1, moins 1. Plus 3, plus 2, plus 1, ça va être plus 6, moins 1. Donc facteur de 5, facteur de 4, facteur de 3. Bon, on va aller ici. Hein. Hop. Hop. Occasion d'abattre une bête. Ici. On va prendre montagnard. Ici, si je prends embaucher,
On va être bon. Par contre, il manque une seule chose que je suis en train de me dire que j'ai pas préparé. Parce qu'à mon avis, je n'ai pas de maître. Si, j'ai un maître sage. Maître de chat. Non. Moi, j'en ai pas de maître chasse. On est d'accord? Ah si, j'en ai un. Autant pour moi. Probabilité de réussite énorme. C'est-à-dire, une chance sur 4, on est bien. Après, voilà, c'est vrai que ça devient un jeu RP en fait quand on y réfléchit un peu maintenant. L'armée de Basilius. Cette invité qui doit encore arriver. Il peut passer un moment assez. Princesse enceinte. Princesse des hauts du... Oh! Ah lui, il est tellement bien partout, lui. C'est impressionnant, il y en a un qui est bon partout. Allons chasser le cerf. De toute façon, on est venu pour la chasse au cerf. Donc, il n'y a pas de bois, donc c'est plutôt des cerfs. Bon, on a combattu vaillamment pour la sauver. Mon invité a devancé le groupe. Dès qu'il me voit, il cache la flèche à son ambassadeur. Debout devant une roturette, donc avec une flèche. J'avais une chance sur toi. Le chasseur m'indiquait une clairière isolée derrière la tanière de la bête sur une bonne occasion de pratiquer notre tir à l'arc. Tenterai une embuscade. En fait, l'embuscade nécessite juste de pas avoir le vent en face de soi. Pas tomber, c'est bas. On pourrait acheter dans un marché quand même. La chasse échoue. Punaise, non! Bien, bugué. On va pas chercher ce que c'était. Bien. Arc, cheval, veneur. Horrible ça. Quand même construire un petit peu quand même de fort. Ah donc par contre l'avantage d'aller un peu plus loin, je gagne des traits à cheval.
je vais aider mon suzerain. Hop. Ah non, je peux pas assiéger, c'est con ça. Ah, c'est ça, retirer comme ça. Le lion, ah. On m'appelle le lion maintenant. Et quoi ? Je vais donner un coup. En fait, je veux tellement voir ce que ça fait. Donner un coup de main en fait au seigneur Lige. C'était passé plus rapidement, donc ça devrait. Cheval de bataille agile, plus de prouesse, nickel. Voilà. L'objectif, c'est juste d'essayer d'éviter la libération. Je m'assurais sa loyauté. Quel objectif en fait l'attaquant ? Entraînement consciencieux, prouesse plus 1. Bien, je perds petit à petit le. Honnêtement, je pensais que c'était réglé, mais normalement, avec Basé, c'était censé être réglé à la dernière fois que nous avons renégocié mes obligations. Ah, je viens de comprendre pourquoi. Garde la capitale. Mon arme. Mais pourquoi vous pouvez pas vous ravitailler, les gars? Bon, vous savez quoi? J'ai voulu éviter la perte de la guerre pour mon suzerain. Il est nul, tant pis. Plus que maintenant en se déplaçant on gagne de l'expérience. Une question, on peut lancer tous les combien de temps la chasse? En 2 ans c'est indisponible. Tous les 2 ans on peut faire ça? Alors par contre j'aimerais juste voir un truc. Alors, non j'aimerais juste quitter. On s'en fiche de tout artefact. Comment je fais pour changer de religion?
Pourquoi il m'aime pas lui? Les policiers sont hostiles. Oui, t'inquiète pas, je vais modifier ça dès que j'ai un peu plus de prestige. Pas de prestige, de... foi. Bon bah tant pis, hein, la garde de libération, j'ai rien pu faire contre. Hein. Là-dessus, ce n'est qu'un cheval. Ils veulent abattre un cheval simplement parce qu'ils sont pas contents du cheval. Hey, c'est pas des barbares, ces gens, quand même. Vous imaginez? Oh, tant pis, il est mort. Hop. Bien, on va perdre... Bon, après, c'est le but, c'est de faire des tests. Après, mon but, c'est pas aussi d'être forcément sérieux. La France qui a récupéré quand même ça. Hein. Agence de France, tiens, ça peut être sympa. De s'en occuper. Ici... Non, pas ici. J'ai encore du mal à trouver où c'est. Ici. Hop. Non, on ayant fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez fabriquer des revendications dans le pays de votre seigneur en tant que régent. Ah, je n'ai plus de... Ah! Porteur de sous, j'en ai plus. Avant-garde et maître chasse. Je sais plus ce que c'est maître chasse. Pignon, il n'est pas encore vu ce trait-là. Taux de renforcement plus entretien des levées moins 20%. Tacticien. Efficacité des hommes d'armes, la tâche de conseiller augmente. Mais c'est génial ça. Loyal. C'est quoi? Je crois qu'il va être. Je crois que ça va être pris en guetta. Hein. Seigneur, seigneur en épreine. Ouais, attends. T'inquiète pas. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu pourrais me créer quoi? Lancier? Lancier loyal ou tacticien? Ok. Mentor. En fait, je crois que ça va être ça, en fait. Loyal. C'est bien. Et discipliné, je vais mettre tacticien, créer une distinction, en fait. Ils sont très bien comme ça en fait. On est dans... Bon adieu, hop, et là on va tenter... On n'a pas encore fait de pèlerinage. Mondain pieux, on va aller à Antioche. Ah, j'ai pas le droit de sortir mon pays, donc j'ai pas le choix d'aller là-bas. Alors, réflexion, vous engagez pour réduire votre stress altruiste, opinion et piété.
Ici, je vais prendre garde mercenaire. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème. Fidélité. Et ici, je vais prendre en ombre. Voilà. On prend un long voyage. Et on va voir. Le dernier coup, on a fait un seul voyage de pèlerinage en bateau. Là, on va en faire un long. Là, j'ai remarqué qu'il a perdu la guerre, Monseigneur Lille. Ah, il y a que la Serbie qui est devenue indépendante. Oh, ça va, ça aurait pu être pire. Je donne l'aumône. Alors que je passe son devant cette église évêché de machin. Prenez ce que le 5 qui répond aux besoins souhaitants en tant que personnel. Et marche bâtiment, c'est pratiquement jonché d'indigents. Ok, c'est sympa. L'important, c'est qu'il soit arrivé. Je deviens beaucoup plus pieux, ça m'intrigue. Je viens de distinguer jusqu'à un endroit avec des expériences. Alors, l'aubri d'une splendeur divine et des légers arcs-en-ciel corps l'air d'elle. Bien. Expérience entre pèlerins. Les sièges. Ah, vous obtenez les sièges de chef religieux, opinion du clergé. Ok. Je suis ce qu'il me dit, j'ai un guide, c'est pas pour rien. C'est de rentrer sain et sauf au pays. Explorateur, je suis. Pas mal ça. Comme trait. Donc ouais, là je pars partir en pèlerinage. Faire une chasse, hop. Montagne, pas de colline, pas de propriété. Participant beaucoup, hop. Commence. Là, je vais mettre abattre une bête, voilà. Yacht. Ah, c'est vraiment sympa. Par contre, ça faut se méfier, peut-être pas enchaîner ça en tant que suzerain, parce qu'à mon avis, ça laisse beaucoup de régence, ça, derrière. Dès que vous partez de votre ville, vous laissez un régent, ça veut dire. On peut aller à court. La chasse commence. Hop. Madame. Qu'elle soit connue de toutes. Ici on va. Est-ce qu'on va chasser un chèvre, un loup, un renard? Un loup, allez. Il y a beaucoup d'air et de fleurs utiles, celui-ci peut calmer les courbatures tandis que d'autres, remontant à cheval. Stock d'herbes médicinales, c'est de la sorcellerie. Pas mal, Seven là. Dommage qu'on peut pas devenir herboriste avec ça, ça pourrait être sympa. Mais tout c'est d'excellent. Ah! Braconnier puni.
côté de réussite, on va faire ça. Braconnier puni. Bête d'état nous approche, je arme. Pain pour cette vermine, traconga. C'est une étoile plus dangereuse, par contre, plus de chances de succès. Alors. Augmente les gens, expérience de chasseur. 44, 44, donc je vais laisser Vasilisko décider. Parce qu'il y a plus de chances en fait d'avoir un truc favorable. Alors. Deux traits de... Je vais abattre, vous gagnez deux traits en arc. Vous perdez de l'expérience. Enfin, vous perdez du stress. Ou défi de prouesse. Ou on prépare nos lances. On va arrêter là. J'ai pu voir ce que je voulais voir. La région, ça peut être ultra intéressant. Pour un souverain qui n'est jamais dans son pays ou un souverain dont vous êtes régent qui... En gros, avec de l'intrigue, vous pourriez faire un complot. Je m'explique. Lui, c'est le régent, là, par exemple. Un peu vieux, mais imaginez un peu plus jeune. Vous augmentez votre pouvoir au fur et à mesure. Vous déclarez une guerre... contre un autre duc pour récupérer son duché. Une fois que vous récupérez le duché, ben vous gagnez comme ça de l'influence petit à petit dans le royaume. Ce qui peut permettre à la fin d'aboutir à... oui, ici, équipe des pouvoirs, ça décline un peu, mais imaginez, là vous pouvez augmenter la régence. Donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez faire des revendications sur vos pairs et donc déclarer des guerres. Vous pouvez en tenter d'en emprisonner ou autre. Après bon, ça rajoute de l'instabilité derrière, hein. Mais ça permet effectivement de pouvoir facilement influencer et afin d'arriver carrément à revendiquer. Donc ça peut être deux jeux intéressants, ça peut faciliter en tant que régent les conquêtes internes au royaume pour devenir vous-même indépendant. Tout comme ça peut vous permettre d'avoir comme but final de revendiquer vous-même le titre pour vous. Donc j'avoue que c'est des choses que j'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment grandement. Je me pose juste une question, là. C'est qui a gagné ce... Je ressens rien à quelque chose. Ok, il a vaincu son frère. Ok. Bon, en tout cas, c'était bien intéressant de découvrir ce DLC. En toute honnêteté, je pense que pour le prix, le DLC est trop cher. Beaucoup trop cher. Bon, c'est en promo actuellement, il DLC ce paradoxe jusqu'au 15 mai, mais le DLC en tant que tel est beaucoup trop cher pour ce que ça rapporte. C'est très intéressant, ça rajoute beaucoup de RP, mais le prix n'est pas... pour moi, n'est pas correct. Par contre, ça promet beaucoup de bonnes choses, ça promet beaucoup de bonnes heures. Je reviendrai sûrement sur le jeu quand il y aura un peu plus de modes qui feront marcher ça et qui seront concentrés là-dessus. Bon, en tout cas, ça m'a bien plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde et on se retrouve demain à 13h30 pour un autre stream. Allez, à ciao tout le monde.